Bonjour à tous. Désolé de ce quelques minutes de retard, mais on laissait vraiment arriver tout le monde. Alors, deux informations avant qu'on ouvre officiellement la séance. Comme vous avez pu le voir, il y a deux jours, le conseil municipal de Menton a été retransmis en direct et en vidéo sur le site YouTube de la ville de Menton. On avait proposé que soit également retransmis le conseil de la CARF, ce qui nous semblait, le conseil communautaire, être à la fois un souci de transparence et que tout le monde puisse suivre les débats de la CARF pour montrer que le conseil communautaire est important. Mais avant de le faire, je voulais vous en informer et savoir si les maires n'avaient pas d'objection à cette transparence, que nos débats soient, puisque c'est public de toute façon, que nos débats soient retransmis. Je ne voulais pas que ça commence sans, bien entendu, vous en avertir. Donc, est-ce qu'il y a une opposition à ce que nous puissions retransmettre ces débats comme l'ont été fait sur le site YouTube? Pas d'objection. Ben, je vous remercie. Donc, il y aura donc une transparence sur nos débats qui pourront être suivis en direct, ce qui est très bien. Maintenant, on va donc procéder à l'appel pour voir si on a le quorum. Est-ce qu'on a le quorum? Donc, Sébastien Ollaran, si tu veux bien avoir la gentillesse de procéder à l'appel. Monsieur Yves Juel, Patrick Césari, Gérard Spinelli, Jean-Mario Lorenzi, Jean-Jacques Raphaël, Jean-Pierre Vassallo, Sébastien Ollaran présent, Paul Couffé, Albert Philippi, présent. Anne-Marie Arcinto-Curti donne pouvoir à Paul Couffé, Daniel Alberti, présent. Brigitte Bresque, Olivier Chantreau, présent. Philippe Houdot, présent. Guy Bonvalet, présent. Jean-Claude Alarcon, présent. Brigitte Albertini, présent. Daniel Alavena donne pouvoir à Sandra Père, Isabelle Almonte, présent. Nicolas Amoretti donne pouvoir à Christian Tudès, Véronique Bâtonnier donne pouvoir à Jean-Louis Dedieu, Solange Bernard, présent. Martine Caserio, Florent Champion, Guillaume Comtesse, Édouard Jean Curté donne pouvoir à Gérard Spinelli, Jean-Louis Dedieu, Alain Ducruet, Martine Ferrero, Cindy Genovese, Johanna Genovese donne pouvoir à Florent Champion, Marinella Giardina donne pouvoir à Isabelle Almonte, Christophe Glasser donne pouvoir à Solange Bernard, Stéphanie Jacot donne pouvoir à Yves Juel, Daniel Lisbona, Patricia Lorenzi, Anthony Malvaux, Stéphane Manfredi donne pouvoir à Guillaume Comtesse jusqu'à son arrivée, Mathieu Messina, présent. Cédric Montero, présent. Patrice Novelli, présent. Sandra Père, Éléonore Paternotte, excusez, Guylain Poulain, présent. Élodie Robert donne pouvoir à Jean-Claude Alarcon, Sylviane Royot donne pouvoir à Mathieu Messina, Nicolas Spinelli, excusez, Christian Tudès. Merci. Donc, je vais juste demander à Isabelle Almonte, que l'on vienne installer, de se lever, que tout le monde puisse connaître notre nouvelle conseillère communautaire, qui est conseillère municipale déléguée de Menton. Voilà, bienvenue à la CARF. Donc, je vais maintenant, avant qu'on prenne l'ordre du jour, on aura une première communication à vous transmettre. Et je vais passer la parole à Albert Philippi pour nous expliquer ce que nous allons pouvoir voir maintenant. Donc, bonjour à tous, heureux de vous accueillir donc, pour ce diagnostic pour le plan communal, pour le PCAET. Maxime Hennebert, qui est agent territorial et qui est mutualisé avec la CARF et les pays du Paillon. Étienne Guéoui de la société Consortium Consultant et j'excuse Madame Monique Giraud-Lazari, maire de Coiraz, vice-présidente de la communauté des pays du Paillon, qui a un empêchement de dernière minute et qui représentait donc Cyril Piazza. Le PCAET est une démarche donc de planification stratégique et opérationnelle et elle concerne tous les secteurs d'activité. Elle est sous l'impulsion donc, des deux communautés, qui pour nous est une première.
Le PCAET donc a pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'adapter le territoire aux effets du changement climatique, enfin de diminuer la vulnérabilité, réduire les dépenses énergétiques, et vous le voyez, la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine souligne cette vulnérabilité et l'envolée des prix à la consommation. Donc ce plan climat doit prendre en compte réglementairement le SCOT, schéma de cohérence territoriale, le STRADET, schéma régional climat air énergie, et le plan de protection de l'atmosphère. Les échéances, 31 décembre 2023. Ce soir, vous avez donc la présentation du diagnostic qui se fait donc ici à la CARF pour cet horaire, et à 19h au Pays des Paillons. Donc nous quitterons la salle vers 18h pour rejoindre les Paillons. Ensuite, vous avez des réunions publiques, et je remercie donc les maires qui nous accueillent. Lundi 13 juin à 18h, Blozasque. Mardi 14 juin à 18h, Menton. Et le 15 juin, Breil-sur-Roya. Le contenu du plan climat, c'est un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'action et un dispositif suivi et évaluation. Il est sur une base de 6 ans. Il est rectifié à 3 ans et on fait un point tous les ans sur les objectifs, s'ils sont atteints et si on doit les modifier. Je ferai simplement une aparté sur le plan de protection de l'atmosphère qui s'est fait le 17 mars 2023 et qui vous montre un petit peu l'avancée des autres communautés. C'était une réunion qui regrouperait la DREAL, la DDTM, AtmoSud. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a porté les actions qui étaient marquantes. Pour la métropole Nice-Côte d'Azur, la métropole nous présentait avec M. Richard Chemla 4 groupes d'action, le tram, le vélo, le bus électrique et le biogaz, avec charte, chantier vert, rénovation thermique, borne de recharge électrique, zone à 30 km, apaisement et embellissement vert, qui peut concerner toutes nos villes, hyperviseur de trafic, système de location longue durée pour vélo. Un périmètre donc de zone à faible émission et un plan de communication critère Nice Respire. À l'ouest de Grasse, borne de recharge sur 3 communautés, donc vous voyez l'intérêt de regroupement de communautés, 3 communautés qui depuis 2018 financent donc des bornes électriques. Vous avez aussi donc l'intervention de GRDF, M. Folcher, et qui présentait le biogaz. 90% de particules fines en moins, 80% de NO2 en moins, avec acquisition de véhicules et de stations publiques. L'ouest du département commence et déjà équipé de certaines stations. Précision, le biogaz est à 100% français, et donc pas de dépendance énergétique. Rénovation des bâtiments, intervention du conseil départemental avec M. Morini, avec présentation des subventions, avances, audit gratuit. Je tiens à souligner aussi l'action de la CARF, qui, depuis peu, avec Amanda Covello et le cabinet Urbanis et le vice-président de l'Habitat, M. Patrick Césari, ont travaillé pour proposer, donc, avec Urbanis, une gestion complète des dossiers à l'attention des privés pour la rénovation énergétique, et un suivi dévolu sur toutes les subventions qui peuvent intéresser le privé. Donc des actions qui sont coup de poing et qui démontrent que ce plan climat peut intéresser toutes les communes et les communautés pour avoir des actions d'aménagement sur nos communes. La présentation, une demi-heure de présentation et une demi-heure d'échange. Vous avez un document qui est un document de 100 pages. On vous fait une synthèse de cette présentation, bien évidemment, donc vous aurez accès à ce document. Vous pouvez le récupérer aussi par mail à demande. Et je passe la parole donc à Étienne ou Maxime. Étienne. Bonsoir, bonne fin de journée à tous. Bonsoir. Donc Étienne Guévy, j'ai travaillé avec certains collègues sur le diagnostic du territoire sous les angles climat, air, énergie, qui est une première phase préparatoire à ce plan climat. Un plan climat, comme Monsieur le vice-président l'a dit, c'est un document diagnostique. Donc là, c'est ce que je vais vous présenter.
je ne vous cache pas que ça risque d'être un peu longuet parce que c'est des chiffres, en fait, c'est pas très parlant. Mais si vous voulez avoir une idée de ce qu'on a en jeu derrière, je suis tombé là-dessus au relais H tout à l'heure dans la gare. Climat, nous allons changer de vie. C'est signé Challenge, qui n'est quand même pas une revue d'écolo. On est quand même, pour vous donner un peu les enjeux qu'on a à voir derrière, c'est les enjeux de réchauffement climatique, c'est les enjeux de santé. C'est un document de planification qui va croiser énormément de politiques que vous pouvez traiter. On parlait de l'habitat, on parlait de la mobilité. Tout ça, c'est des choses qui se retrouvent dans le plan climat, qui n'est pas un document qui va rajouter une couche, mais qui est un document qui va être pour une part agrégateur d'un certain nombre de politiques qui sont déjà initiées. Rénovation du logement, ça c'est typiquement une politique qui peut vivre toute seule et qui s'intègre directement dans un plan climat. Mais c'est aussi un document qui peut avoir des actions nouvelles qui vont être portées par la population. On parlait de la concertation tout à l'heure qui aura lieu, qui va débuter avec des réunions publiques, mais on aura aussi d'autres étapes avec les élus, avec les services. L'objectif, c'est que ce document devienne réellement territorial, c'est-à-dire qu'il dépasse vos simples compétences. Évidemment, on va travailler sur vos compétences, on va travailler sur ce que vous pouvez faire, sur telle ou telle compétence, mais aussi on va regarder dans quelle mesure vous êtes en capacité d'entraîner le territoire, les particuliers, alors pas forcément en mettant de la subvention, mais aussi en utilisant les capacités de vos partenaires. On parlait tout à l'heure de GRDF, c'est un partenaire typique qui vient dans un plan climat pour contribuer à porter certaines actions qui l'intéressent lui, mais qui vous intéressent aussi vous collectivement. Donc, le document... Ah, je suis un peu loin pour l'ordinateur. Est-ce que je vais y arriver ? Il faut que je me rapproche un peu. Voilà, donc le principe, c'est que... Je vais faire ça en deux temps. Je vous présente le document rapidement. C'est des éléments de diagnostic avec une perception un peu subjective des forces et faiblesses du territoire sur les enjeux climat et énergie. Et puis, quelques éléments d'orientation qu'on a pu identifier qui seront des choses qui vont aussi vous aider à construire une stratégie qui sera l'étape d'après. Donc là, le principe, c'est que je vous présente aujourd'hui un diagnostic chiffré pour vous dire où sont les grandes masses, les grands enjeux, où est-ce que ça se situe. Et derrière de ça, vous, en tant qu'élu, vous allez décider d'une stratégie qui orientera le territoire dans un sens ou dans l'autre, enfin on souhaite dans le meilleur sens, mais la stratégie sera ensuite déclinée en plan d'action par les services, par les gens du territoire, par les partenaires associatifs, par tous ceux que vous voudrez associer à ce plan d'action. Donc le document lui-même, si vous l'avez déjà vu ou quand vous le verrez, hop, je sais pas ce que j'ai fait, voilà, non, vous pouvez mettre la suivante, voilà, donc le document il est composé en 6 chapitres. Donc je vais aller très vite hein, sur les différents chapitres, il y en a qui n'ont pas les mêmes enjeux que les autres. Il y a un premier chapitre, c'est la consommation d'énergie. Un deuxième chapitre, c'est les productions d'énergie. Donc là-dedans, on va souvent trouver des énergies renouvelables, mais on pourrait trouver des énergies fossiles, si vous en aviez, ou des énergies nucléaires, ça pourrait être aussi sur certains territoires. On va regarder les questions de gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas que l'énergie dans les gaz à effet de serre, on peut avoir l'agriculture qui émet des gaz à effet de serre particuliers. La question de la qualité de l'air, avec un certain nombre de polluants qui sont regardés. On regardera plus rapidement les deux derniers chapitres qui sont les réseaux, réseaux secs, réseaux de chaleur, etc. Et puis la question du puits de carbone, qui est dans quelle mesure le territoire, la végétation du territoire, les sols du territoire vous permettent d'atténuer un peu toutes les émissions de gaz à effet de serre que vous faites chaque année. Donc sur la consommation des... Ah, on revenait juste... Merci. La consommation d'énergie, donc ça bouge un petit peu tous les ans, c'est normal, parce qu'il y a quand même des années plus chaudes, plus froides que d'autres, mais grosso modo, ça baisse un petit peu quand même, donc c'est plutôt réjouissant, alors qu'il y a quand même une augmentation de la population. Vous avez pour les deux grosses énergies qui sont consommées sur le territoire, les produits pétroliers, donc la grosse bande du haut. La bande jaune, c'est l'électricité. Et puis au milieu, vous avez le gaz, parce qu'il y a une partie des communes qui sont au gaz. Donc vous avez la chance d'avoir le réseau de gaz sur le territoire.
qui n'est pas très important par rapport à d'autres territoires, parce que tout le territoire n'est pas desservi. Une consommation par habitant qui est plus faible que celle de la France, hein, 10% de moins qu'en France. On peut considérer qu'il fait un petit peu moins froid ici, un peu moins de besoin de chauffage qu'ailleurs. Ça peut expliquer une partie de cet écart-là. Hop. Vous pouvez me passer la suivante, s'il vous plaît. Ou alors, je vais me mettre de l'autre côté, en fait. Je crois que je contrôle mieux là. Voilà. Pour vous comparer sur les grands secteurs de consommation, je vous ai mis à gauche la France. En France, le plus gros secteur de consommation, c'est le bâtiment, donc le résidentiel et le tertiaire. Eh ben, chez vous, c'est pareil. Vous êtes. Non, ce n'est pas le premier d'ailleurs. Vous êtes fait passer un peu devant par le transport. Mais vous êtes à peu près au même niveau que la France, avec 46% des consos. Il y a par contre le secteur de la mobilité, qui est un gros secteur chez vous, un peu atypique. Bon, il y a une influence forte d'axes traversants, hein, que vous subissez. Et puis, à l'inverse, vous avez aussi peu d'industrie sur le territoire, ce qui fait que ce secteur est très faible. Je vous ai mis le pays des paillons aussi à côté. Dans le document que vous aurez, on a essayé de comparer le plus possible qu'on pouvait pour voir un peu les influences de différentes typologies et puis essayer de construire l'idée d'un projet commun peut-être qui pourrait se traduire en certaines actions par la suite. On verra bien. Donc les grands enjeux sur la production d'énergie. J'étais un peu vite encore. Voilà, consommation d'énergie, je reste là-dessus. Donc là, ce qu'on constate, c'est que les grands sujets de consommation chez vous, ils sont presque tous chez le particulier. On est sur de la mobilité, on est sur du logement, ou sur du bâtiment en tout cas. Il y a un peu de tertiaire, mais il y a quand même un grand sujet qui va être l'accompagnement du particulier dans un changement de comportement, l'amélioration de son logement, le changement de véhicule ou moins de voitures individuelles, etc. On a aussi un peu de tension sur le foncier qui peut être un élément facilitateur pour la rénovation, hein, pour limiter des logements vacants qu'on peut avoir dans d'autres territoires. Et puis il y a eu des actions qui ont déjà été menées, des plans climat de quartier qui ont été portés sur certains petits quartiers. Par contre, la difficulté, c'est que comme vous êtes beaucoup avec le particulier, bah, ça va être dur. C'est très difficile de mobiliser le particulier. Si vous étiez à 90% avec l'industrie, ce serait facile. On pourrait travailler avec un industriel directement. Les particuliers, il faut les convaincre un par un. Donc, il n'y a pas de solution évidente. C'est plutôt une multitude de petites solutions qui vont imposer de travailler dans la dentelle. On a aussi une problématique particulière chez vous, c'est le taux de résidence secondaire. Travailler avec des résidences secondaires, ce n'est pas facile. C'est des occupants qui ne sont pas forcément motivés pour investir parce qu'il n'y a pas forcément une économie importante. On a des axes routiers contraints et puis beaucoup de déplacements de trajets liés au travail. Avec une concentration de l'emploi qui est assez faible, hein, beaucoup d'emplois qui sont en dehors du territoire. Dans les opportunités, alors je ne sais pas si c'était vraiment une opportunité, on le met aussi dans les menaces, hein, pour le territoire, la hausse du prix de l'énergie. Je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que la facture du territoire, combien ça représente en millions, mais effectivement, les tensions qu'on peut avoir sur le territoire, c'est quelque chose d'assez... qui nous viennent de l'extérieur, qu'on subit, peuvent être considérés comme des opportunités parce que ça fait réfléchir. On a toujours eu au moment des crises un peu plus d'action sur les économies d'énergie que quand ça allait bien. Sur les menaces, on a quand même aussi un enjeu de précarité énergétique. Hein, les personnes qui commencent à avoir du mal à faire face à leurs factures, c'est quand même un enjeu social fort auquel vos communes peuvent avoir affaire. Et puis, sur l'activité économique, une énergie trop chère, ça peut être aussi une très forte menace qui fragilise complètement ou qui détruit de l'emploi quand les industries ne sont plus en capacité de produire à des coûts corrects. Donc, alors, je ne sais pas si j'irai autant dans le détail sur tous les autres chapitres, mais vous avez un peu cette idée de force, faiblesse et opportunité menace sur tous les chapitres. L'idée étant que ça reste provisoire pour le moment. Le diagnostic, on vous le rend aujourd'hui. Mais c'est un document, comme on va encore continuer à travailler pendant plusieurs mois avec vous,
C'est un document qui peut être amené à évoluer, hein, avec les remarques que vous allez nous faire tout à l'heure, avec les réunions publiques, il y a peut-être des choses qui viendront compléter. Alors, ça ne changera pas les grands chiffres, mais en tout cas, sur les enjeux qu'on a pu identifier, ce sera des choses qu'on pourra améliorer. Sur la production d'énergie, c'est beaucoup plus rapide. Hein, donc sur le territoire, vous avez la chance d'avoir une production hydroélectrique. Je n'ai pas identifié quels étaient les barrages concernés, mais vous avez à la fois de la grande et de la petite. Je ne me souviens plus à quelle est la puissance, mais grande, ça commence à être de la belle centrale. Qui vous rendent autonome à 30% à peu près sur l'électricité. Hein, la production que vous avez sur le territoire, ça correspond grosso modo à 30%, un tiers de ce que vous consommez en électricité. Donc c'est bien, hein, y a pas de, j'ai peu de territoires qui sont déjà à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour la partie électricité. Pour la partie chaleur, par contre, c'est très marginal. Hein, y a un petit peu de bois énergie qui est comptabilisé comme partout en France parce qu'il y a quelques cheminées, etc. Mais ça reste très marginal. Les atouts du territoire, eh ben, je pense qu'ils ont un côté... il n'y a qu'à ouvrir la fenêtre. Vous avez un énorme ensoleillement, très bon ensoleillement, c'est assez favorable. Vous êtes un territoire qui a un peu de montagne aussi, donc pour la dénivelée, c'est bien. On a vu que vous avez de l'hydroélectricité, c'est des choses qui sont plutôt des facteurs favorables. Et puis, avec la mer, on a vu... je suis passé devant à Monaco en arrivant, et il y a leur centrale thalassothermie qui permet de récupérer de l'énergie marine. C'est aussi des choses qui peuvent être des opportunités à avoir. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand même, il y a peu de projets qui sont faits en photovoltaïque ou sur des énergies qui sont assez classiques, qu'on trouve en général facilement ailleurs, dans d'autres territoires sur lesquels je travaille. On a beaucoup plus de solaire, par exemple, ou beaucoup plus de projets publics. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup de projets comme ça qu'on a pu identifier, si ce n'est des hangars bois énergie. Voilà. Sur les gaz à effet de serre, donc le troisième grand chapitre de du rapport, du diagnostic. Première bonne nouvelle, déjà ça baisse un peu sur tout l'historique qu'on peut avoir sur le territoire. On est à moins 10% entre la plus vieille année qu'on ait et la plus récente. Donc on est sur 2018, ça date un peu, mais on n'a pas mieux. Donc 10% de baisse. Et la structure de vos émissions de gaz à effet de serre, c'est 70% la voiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, tout à l'heure, on était à peu près à 50% véhicules, 50% bâtiments. Mais dans les bâtiments, on a du chauffage électrique qui n'émet pas de gaz à effet de serre ou de l'électricité spécifique. C'est pour ça que le véhicule pèse le plus gros morceau de votre territoire. Donc 70% le transport routier, 20% le bâtiment, et puis le reste, c'est dispersé entre différentes catégories. La qualité de l'air, alors le rapport que je vous présente suit 6 polluants. Alors il y a plein de polluants, malheureusement il y a énormément de polluants. Ceux qui sont suivis réglementairement et donc pour lesquels on a le plus de données, c'est les particules fines. Les composés organiques volatiles. Alors les particules fines, c'est ceux qui nous font le plus de... Enfin, c'est les poussières du Sahara, c'est les particules de frein, c'est le diesel, c'est tout un ensemble de particules. On appelle ça les particules, mais en fait, il y a des milliers de variétés de particules dedans. Les composés organiques volatiles, le COVNM, qui est la bande rouge en haut, c'est un polluant qui fait de l'ozone derrière. Donc il est important parce que derrière, il va se transformer l'été en ozone. Donc il est important et puis il vient de la végétation en partie. Bon, alors quand même, on est plutôt satisfait parce que ça baisse sur le territoire. Et puis vous êtes un territoire où il y a eu relativement peu de pics de pollution. Alors il y en a eu quand même. Un ou deux par an, un peu de particules fines. Ce qui est particulier, c'est que vous avez des particules désertiques qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis l'été, bah, vous avez de l'ozone, une pollution ozone, qui est quand même un enjeu qu'on croise de plus en plus avec le réchauffement climatique et qui se disperse sur l'ensemble des territoires maintenant.
bon, je passe vite sur la qualité de l'air, ce n'est pas le plus gros enjeu. Le puits de carbone, peut-être pour avoir un ordre de grandeur. Vous émettez tous les ans 270 000 tonnes de CO2. Et les forêts, les sols captent tous les ans 150 000 tonnes. C'est très bien. Il y a 50% de votre CO2 qui est capté par le sol. C'est plutôt très bon, un très bon résultat, parce que vous avez beaucoup de forêts ou des territoires assez ruraux. Ce qui est moins bien, c'est que ce puits-là, il a tendance à baisser. Il baisse parce que, d'une part, les terres vierges sont parfois grignotées. Hein, quand on tape dans une terre agricole pour faire un aménagement, ça fait baisser ce puits-là. Et puis, on a un deuxième effet qui dégrade ça, c'est que les forêts sont très soumises à un stress hydrique en ce moment et souffrent beaucoup de la chaleur, du manque d'eau. Et quand on a ça, les arbres poussent moins et captent moins de CO2. Donc ce puits de carbone, on le voit régulièrement diminuer. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce que c'est un gros point fort de votre territoire et puis il faut qu'on fasse attention à le préserver. Dans les réseaux, on regarde électricité, gaz et chaleur. L'idée, ça va être de regarder si vos réseaux sont en tension, en capacité d'accueillir des productions nouvelles. Ce qui est très particulier, c'est que maintenant, historiquement, on était quand même sur un système assez centralisé avec des grosses centrales, pour les réseaux électriques en particulier, des grosses centrales qui distribuaient avec des fils de plus en plus petits. Et maintenant qu'on a de plus en plus de production décentralisée, on inverse un peu le raisonnement et il faut que les réseaux deviennent de plus en plus intelligents. Donc il y a beaucoup de travail qui est mené actuellement pour voir comment on intègre des productions un peu partout, comment on utilise les véhicules électriques en stock, etc. Donc il y a beaucoup de choses intéressantes qui sont faites sur les réseaux. L'avantage, c'est que vous avez des opérateurs qui travaillent sous concession avec vous, qui sont Enedis, GRDF, qui sont très motivés, qui sont vraiment des très bons partenaires de Plan Climat et qu'on a déjà rencontrés, qui amèneront et des données, qui nous ont amené des données déjà pour la partie diagnostic et qui amèneront, j'en doute pas, des idées de pistes de travail pour le plan d'action. Avec vos contraintes montagnardes qui sont quand même des enjeux particuliers. Le dernier grand chapitre que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, c'est le chapitre de l'adaptation. Quand on travaille sur un plan climat, on se dit on va essayer d'éviter que la température monte trop sur la planète. Actuellement, on s'est déjà pris un degré. On sait qu'on est sur une trajectoire où même si on arrêtait tout, on sera à 1,5. Si on continue comme on est actuellement, on est à 6-7 degrés ou entre 4 et 7 à la fin du siècle. Donc l'idée, ça va être quand même d'essayer d'atténuer, donc d'économiser l'énergie, d'être plus sobre, etc. pour éviter d'être sur un scénario à 7 degrés, mais plutôt un scénario à 1,5 ou 2 degrés. Donc déjà, c'est ce premier travail. Et le deuxième travail, qui est le travail de l'adaptation, c'est de se dire, quand même, le 1,5, on est sûr de se le prendre. Et 1,5, c'est une moyenne planétaire. C'est une moyenne qui ne va pas être partout pareil. Il y a des territoires où on va prendre 3 degrés. Il y a des territoires qui vont prendre 0. Et on voit que quand on est sur des terres émergées, quand on est sur des zones de montagne, on prend plus de température que les autres secteurs. Donc, ici, vous aurez des températures qui seront plus élevées que la moyenne. Quand vous voyez à la télé et qu'on parle d'une augmentation de 1,5 ou 2 degrés, vous pouvez savoir que ce sera plus. Donc ça veut dire que derrière, il y a énormément d'enjeux de moyen terme. On est quand même sur du moyen, du long terme. On peut avoir des enjeux de court terme qui vont être des canicules, des inondations plus fréquentes, des épisodes orageux. Enfin, il y a quand même des enjeux de catastrophes naturelles qui sont immédiats. Mais on a aussi des enjeux de plus long terme sur une évolution des pratiques, comment on construit différemment pour qu'on ait un patrimoine bâti qui soit adapté à long terme à ces activités-là. Donc le plan climat, quand on arrivera à la fin, qu'on aura fait un plan d'action, on aura donc des actions sur l'atténuation pour éviter qu'on ait un réchauffement climatique trop important. Et des actions sur l'adaptation, en se disant, on va quand même se réchauffer, on va quand même avoir une baisse de la neige, on va avoir tout plein de choses.
comment est-ce qu'on fait pour s'y préparer et y adapter nos services ? Parce que derrière, ça concerne évidemment vos services autant que la population, évidemment. Voilà, donc quelques éléments d'orientation qui pourront servir de base pour la stratégie. Donc la stratégie qu'on va construire avec vous, ça va être un travail où on va essayer de se fixer des objectifs sur chacun des grands sujets que je vous ai présentés juste avant. Comment est-ce qu'on fait baisser ? Quels les objectifs on se donne ? On vous comparera avec les objectifs nationaux. Je suis trop long. Il faut que j'accélère un peu. Il y a des documents nationaux, des documents régionaux qui ont eux-mêmes fixé des objectifs. Il faut que vous soyez, alors pas forcément calé sur eux, mais que vous soyez pas trop loin ou cohérent avec eux. Et puis, il faut qu'on regarde un peu les... quand même vous prioriser sur un certain nombre d'enjeux qui vous semblent majeurs. Nous, on a identifié quelques enjeux autour de la consommation d'énergie, de la facture d'énergie. J'ai pas vu la diapo, j'ai dû la passer trop vite. En gros, vous avez à peu près 200 millions d'euros tous les ans qui sortent du territoire, ou 160 ou 150, entre 150 et 200 millions, j'ai plus le chiffre exact en tête. 146 millions, c'était en dessous encore. 146 millions, du coup, qui tous les ans partent. Voilà, qui partent au Qatar, qui partent en Russie, qui partent je ne sais où. Et il y en a une vingtaine de millions qui restent grâce aux barrages hydroélectriques notamment, toutes les productions que vous avez locales, c'est aussi des choses qui vous ramènent un peu d'argent. 146 millions sur le net, c'est-à-dire on a 167 millions de factures nettes sur le territoire. On a 21 millions d'énergie vendue par rapport à... Donc vous avez 167 millions de factures nettes du territoire, 21 millions d'énergie vendue, et on a un net à payer de 146 millions de factures énergétiques. Donc on le voit sur le plan climat, on est tous concernés, tout simplement par rapport aux enjeux, parce qu'on a quand même une image à construire, c'est-à-dire de préserver un territoire sain et naturel, une économie agricole, une adaptation au changement climatique, on l'a vu avec la tempête Alex, qui peut toucher aussi bien le bord de mer, et développer les énergies renouvelables. Alors, une précision, c'est que les énergies renouvelables représentent 6,2% de la consommation d'énergie de notre territoire. Donc, ce qui veut dire que si on veut avoir une autonomie énergétique, il faut développer ces énergies renouvelables. On a aussi un point, c'est sur les stations de mesure. Il faut que la communauté d'agglomération de la Riviera française se dote de stations de mesure de façon à être plus précis et de pouvoir cadrer ces actions. Enfin, on doit conforter l'économie actuelle, c'est-à-dire du tourisme de haut de gamme, une économie résidentielle et numérique à renforcer, favoriser l'accès au territoire, vous l'avez vu par rapport au transport. Et alors, une particularité de ce diagnostic que vous pourrez consulter, c'est que effectivement, quand on regarde tous les points qui ont été mis pour les polluants, on s'aperçoit qu'ils baissent. Mais en réalité, on a un problème. On a ce réchauffement de la planète qui fait que on a tendance à plutôt stagner. Et on a aussi des objectifs européens qui sont un petit peu plus, forts et attendus. Je repasse la parole à Étienne. Oui, effectivement, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas beaucoup d'épisodes de pollution, pics de pollution au sens national, mais parce que nos seuils français sont un peu hauts. Donc forcément, on a moins de difficultés à être en dessous des seuils. Donc sur les grands enjeux, au-delà de la consommation qui va travailler, donc a priori on ne pourra pas passer à côté du travail sur le logement, sur la mobilité individuelle, ou intégrer en tout cas les actions qui sont déjà faites. On peut imaginer qu'il y ait des enjeux autour de la production, de rendre un peu, améliorer cette facture du territoire, avoir un peu plus de recettes sur le territoire. Alors on parle de l'électricité... Je vais aller vite. On parle d'électricité, mais l'enjeu, ça va être sur la chaleur. L'électricité, ça va se faire. Les gens mettent des panneaux solaires sans vous. Par contre, la chaleur, ça, c'est vraiment le truc qui est difficile à faire. Et c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et l'adaptation au réchauffement climatique aussi. Bon, derrière, j'ai des éléments de méthode. L'idée, c'est surtout de vous dire que
Maintenant, on a fait le diagnostic avec les chiffres. On va aller travailler avec la population, avec les réunions publiques qu'on va faire prochainement, et aussi avec les services, avec les élus, pour construire les grands enjeux et par la suite les pistes d'action qui vont décliner ces grands enjeux. Voilà, je vais m'en arrêter là. Et puis on essaiera de faire des actions communes avec vos voisins. On devait passer donc aux questions, si vous avez des questions. Donc si vous n'avez pas de questions, moi je vous fais un point sur le questionnaire qui a été qui a circulé sur la communauté. Deux points forts, optimiser la performance énergétique, c'est ce qui a été souligné, des bâtiments, et agir sur le trafic routier. L'opportunité sur le solaire et l'hydroélectricité, avec tous les problèmes d'hydroélectricité qui se présentent à nous. On a aussi la recherche de nouvelles sources d'eau, de ravitaillement d'eau. Les faiblesses, donc, c'est toujours avoir une lisibilité sur le projet communautaire, renforcer les démarches de groupe, donc c'est essayer de travailler sur le public, le privé aussi, les associatifs. On est déjà en contact avec des associations qui nous ont fourni certains documents, je pense à la SPONA entre autres, donc des données analysées, climat réel et climat constant, ce qui est difficile puisque vous voyez qu'on est sur du 2018. Voilà, donc ça c'était pour le questionnaire. Merci. Bien, merci à la fois au bureau d'études de nous avoir présenté ce rapport et ce plan. Je pense que c'est à la fois intéressant d'actualité et qu'on va prendre tout le temps de digérer tranquillement les informations. Ensuite, sur place, vous aurez donc des réunions de concertation qui vont continuer. Bon, ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir également avoir des comparaisons avec la communauté des Paillons. Je pense que c'est intéressant pour nous. Et puis bon, après, on essaiera de gouverner avec le meilleur respect que l'on pourra concernant l'environnement sur notre territoire. Effectivement. Alors, par rapport aux Paillons, simplement un exemple pour que ce soit significatif. Donc, vous avez Lucéram qui a des forêts. Il se trouve que les Paillons est une zone industrielle. Vous avez les cimenteries Lafarge qui doivent quitter donc très prochainement sur les Paillons. C'est des zones qui sont libérées et la réflexion c'est aussi pour les Paillons de savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre sur ces zones. Je pense qu'il y a déjà une réflexion sur le solaire, mais pas seulement. Et à partir de là, c'est l'enjeu. Je vous parlais du bois puisque c'est aussi une source d'énergie qui est disponible aussi bien sur les Paillons que sur la Carfe, puisque sur la Carfe, on a la Brigue et Moulinet. Et initialement, il avait été fait ce projet de plaquette qui pourrait être travaillé sur les Paillons et sur la Carfe et qui n'est sûrement pas idiot, puisque de toute façon, il ne faudra pas rester que sur de l'énergie hydroélectrique. Il va falloir aussi réfléchir sur les autres énergies. Donc le bois en fait partie. Géothermie aussi, effectivement. Le biogaz. Il y a une réflexion et un travail à faire avec des stations de biogaz qui pourront servir à nos collectivités et aussi peut-être dans un deuxième temps au public. Guy. Oui, merci Monsieur le Président. Sur le bois, simplement pour dire qu'on avait travaillé le sujet il y a une douzaine d'années. Hein. Une des raisons pour lesquelles effectivement ça n'était pas autant développé que ce qu'on espérait, c'est qu'il y a quand même des contraintes de rentabilité, de coûts d'exploitation du bois par rapport à ce qu'il rapporte comme kilowattheure. Donc ça a pu changer, effectivement, donc il faut le réétudier, mais il y a certainement des études à faire avant de lancer des programmes d'équipement. Effectivement, Guy, tu as raison. On a une question sur le prix de l'énergie et on s'aperçoit que le pétrole flambe, que toutes les énergies flambent. Le biogaz peut être désolidarisé du pétrole et à partir de là, il serait moins cher que le pétrole. Et pour le bois, c'est aussi une source d'énergie qui pourrait revenir, qui serait intéressante, y compris pour le public. Oui, oups là, pardon, c'est un peu fort. Merci Monsieur le Président. Merci messieurs pour ce rapport. Toutefois, je trouve que l'on pourrait également avoir une lecture en parallèle, notamment avec la RE 2020 dans le bâtiment, qui aujourd'hui est applicable depuis le 1er janvier,
Tous mes collègues qui touchent à l'urbanisme savent que nous avons, sur l'Aéro 2020, par rapport à la précédente qui était Aéro 2012, beaucoup plus de contraintes. Notamment, par exemple, aujourd'hui, on ne peut plus chauffer au gaz dans les constructions neuves. L'Aéro 2020 prévoit en plus une hausse des obligations en 2025 et une nouvelle hausse en 2032. Je pense qu'il pourrait, en complément de l'étude qui est très intéressante que vous venez de faire, peut-être avoir cet aspect-là, parce qu'on est quand même sur des territoires où on va construire beaucoup de logements. Je parle notamment pour nous aussi à Roquebrune-Cap-Martin, avec les aménagements de la base aérienne, mais pas que sur Roquebrune. Et je pense que vous pourriez enrichir ce rapport-là, justement, en regardant et peut-être en vous rapprochant de bureaux d'études spécialisés dans l'énergie et dans la consommation énergétique, parce qu'il y a énormément de contraintes qui sont déjà aujourd'hui imposées, et notamment nos services de l'urbanisme. Monsieur le Président, vous avez été adjoint à l'urbanisme, donc je sais que vous connaissez parfaitement ce sujet-là, qui sont extrêmement contraignantes et qui, pour nous, collectivités délivrant les permis de construire, vont forcément impacter l'avenir, que ce soit sur les constructions de logements pour en libre, des logements en accession à la propriété pour des privés, mais également pour des logements sociaux. Voilà, c'est juste si, dans une seconde mouture, on pouvait avoir justement des aspects qui soient parallèles par rapport à ça. Je vous remercie. Alors, je ne vous ai pas tout présenté, on a une petite partie qui sera rajoutée à chaque partie, c'est les potentiels en fait. On rajoute derrière chaque chapitre potentiel d'économie d'énergie, potentiel de production sur telle ou telle filière, etc. Sur le logement ou le bâtiment en particulier, c'est vrai que on considère, alors je ne devrais pas dire ça, mais on considère que le neuf, le problème est presque réglé sur la qualité du bâti. Sur le neuf, l'enjeu il est plus sur l'urbanisme, sur reconstruire la ville sur la ville, pas aller grignoter les terrains, construire pas trop loin d'un bus. Enfin voilà, on est plutôt sur des enjeux d'urbanisme avec le logement neuf. Quand on parle de consommation du secteur, on est vraiment sur l'enjeu de la rénovation, parce que les bâtiments qui seront là dans 100 ans, il y en a déjà une bonne partie qui sont là. Et faudra qu'on vive avec et puis qu'on évite d'avoir du logement vacant parce que insalubre, parce que pas rénové, etc. Mais vous avez raison de souligner ça, mais effectivement, le neuf, sur l'aspect thermique, on aura du mal à aller beaucoup plus loin, rajouter des épaisseurs d'isolant, etc. À un moment, on arrive à un palier qui est plus franchissable, même par les artisans. Ça devient compliqué de poser des isolants quand il fait 20 cm, etc. Donc le neuf est presque réglé. Les travaux sur le neuf maintenant sont plus sur les matériaux, par exemple. On garde les mêmes épaisseurs, mais au lieu d'avoir une laine de verre, est-ce qu'on ne peut pas passer sur une laine de bois qui en plus va stocker du carbone, etc. Voilà. Juste, vous avez parfaitement raison, quand même une petite précision qui est importante. Dans le développement durable, c'est les cercles concentriques de l'environnement, de l'économie et du social qui forment le développement durable. La problématique de l'Aéro 2020, moi je le vis puisque c'est mon métier d'être promoteur, et notamment les études que l'on a aujourd'hui à comparaison sur des permis qui ont été déposés sur l'Aéro 2012, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année précédente, et les permis maintenant, ne serait-ce que en termes normatifs, on a 5% d'augmentation de coût de promotion. Mécaniquement, ça se retraduit derrière, parce que le promoteur, son objectif n'est pas de perdre 5% de sa marge, ça se retraduit sur le prix de vente. Et ça, c'est un vrai enjeu que nous avons sur nos territoires, parce qu'on est sur des territoires où l'accession au logement, premièrement, est déjà compliquée. Deuxièmement, pour ceux qui sont en mesure de pouvoir accéder à cette accession, eh bien, quand vous sortez avec des prix au mètre carré à 10 000 euros du mètre carré, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui pour des foyers. Et je pense que pour pouvoir avoir une vision globale sur un plan climat, il est impératif pour nous, en tout cas sur le territoire, mais il y a également beaucoup d'autres territoires en France qui sont dans ce cas-là, d'avoir cette vision économique, mais aussi cette vision sociétale, parce que derrière, ça implique sur le... Alors, monsieur Comtesse, je vais récupérer un petit peu le micro, puisqu'il se trouve qu'on a la chance d'avoir des commissions. Donc, vous êtes tous invités, pour ceux qui sont dans les commissions ou qui seraient intéressés, de nous rejoindre et de venir intervenir dans ces commissions. On avait un temps très court pour la présentation. On est sur le diagnostic. L'intérêt de cette présentation, c'est aussi de notifier que l'on a des potentiels énormes d'action. Et c'est pour ça que j'ai aussi, en préambule, remercié Amanda Covello et le vice-président de l'Habitat, Patrick Césari, parce qu'on est dans quelque chose où on passe sur des actions. Nous, ce que l'on fait, c'est du diagnostic. On vous présente le diagnostic. Vous avez accès, 100 pages.
il sera, comme le disait Étienne, fourni au fur et à mesure, et comme Maxime travaille dessus. Et après, c'est déboucher sur des actions. En fin d'année, regarder les actions qui sont là et après, d'atteindre les objectifs. Donc, vous l'avez vu, les enjeux, le territoire que l'on a, le préserver, mais aussi comment le développer et comment récupérer de l'énergie à bas prix. Merci. Bien, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, après là, cette présentation qui, on le voit, engendre à la fois de nombreuses questions et de propositions, c'est que maintenant, comme en plus vous devez vous rendre dans la communauté des Paillons, qu'on puisse nous ouvrir notre conseil communautaire. Bon, il est bien évident, comme l'a dit Albert, qu'il y a des commissions qui vont se créer. Bon, il a rappelé, mais je le redis, il y a quand même une OPA importante également qui est en cours sur notre Riviera, qui a été lancée il y a un peu plus de 2-3 mois et qui, a priori, marche pour l'instant très bien et qui va dans le sens de tout ce qui vient d'être expliqué. Donc, merci messieurs, merci Albert d'avoir piloté cette présentation. Donc, nous, si vous en êtes d'accord, on va vous permettre d'aller au Paillon et en tout cas, soyez assurés que chaque conseiller communautaire va s'attacher particulièrement à réfléchir sur ce sujet qui est pour nous pilote. Merci. Donc, on va passer maintenant à notre conseil. Le premier point, c'est de vous présenter l'acceptation du procès-verbal du Conseil communautaire du 7 avril 2022. Donc, y a-t-il des questions concernant ce rapport, ce procès-verbal, pardon, excusez-moi. Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 1 vous a été présenté puisque c'était le diagnostic du plan climat. Donc, le dossier numéro 2, je vous le présente, c'est... Il faut l'approuver quand même. Ah, pardon, oui, excusez-moi. En effet, il faut l'approuver. Donc, concernant la présentation qui vient de vous être faite sur le plan climat, donc, qui est contre, qui s'abstient, donc approuvé à l'unanimité, je vous en remercie. Maintenant, le dossier, donc, le rapport numéro 2, concerne l'acceptation d'un don qui nous est fait par l'association Nos Restons de Menton à La Roya, c'est d'un montant de 8 000 euros, bon, qui avait un certain nombre de conditions, puisque c'était un pourcentage que tous les restaurateurs qui avaient fait une opération sur Menton, place du Bastion, s'étaient engagés à verser un pourcentage sur les recettes qui seraient effectuées pour tout le travail qu'ils avaient fait à l'intérieur des chalets dans lesquels ils ont travaillé. Et ce montant, ce chèque de 8 000 euros, donc, a bien été remis maintenant pour qu'ils puissent... il faut qu'il soit accepté par un vote du Conseil communautaire afin qu'on puisse ensuite être redistribué comme c'était prévu dans la Roya. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'approuver ce don, de bien vouloir l'accepter et de m'autoriser à signer tous documents qui seront relatifs à cette délibération afin que l'on puisse œuvrer en ce sens et répartir ces 8 000 euros. Y a-t-il des questions ? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, les 8 000 euros, maintenant, sont propriété de la CARF et pourront être redistribués. L'affaire numéro 3, c'est Jean-Jacques Raphaël. Merci, Monsieur le Président. C'est la gestion des fonds de CARF par l'association Initiative Menton-Riviera, la réaffectation et la restitution partielle. Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CARF a confié successivement les gestions des fonds de l'association Initiative Menton-Riviera afin de soutenir financièrement son territoire les acteurs économiques en difficulté dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. 145 000 euros par le biais d'un abondement de fonds de pré-Covid résistance, 500 000 euros en fonds propres afin d'assister les entreprises les plus en difficulté. Sur ces 500 000 euros, 100 000 euros ont été réaffectés sur un fonds de soutien financier destiné aux entreprises de la Roya, touchées par la tempête Alex. 30 000 euros ont été réaffectés sur un fonds spécifique de soutien aux entreprises de Castérino en raison de l'inaccessibilité encore en cours dans ce hameau. Initiative Menton-Riviera a informé la CARF que l'ensemble des crédits n'ont pas été consommés et qu'à ce jour, le solde de ces fonds est réparti de la manière suivante. Sur le prêt Covid résistance, le solde est de 20 662 euros et sur le fonds Covid, le solde est de 70 500 euros. Le Conseil venant de délibérer sur l'acceptation d'un don de montant de 8 000 euros à l'association Nos Restos de Menton de la Roya. Même combat en faveur des restaurateurs de la vallée de la Roya.
Il est donc proposé de confier la gestion de cette somme à Initiative Menton Rivera. De plus, dans un but de redynamisation économique des territoires sinistrés, il est proposé d'abonder cette somme d'un montant de 2 000 euros qui sera prioritairement affecté au soutien d'établissements de restauration ayant été créés après la tempête Alex. Pour ce faire, la CARF souhaite réaffecter 10 000 euros du solde de fonds Covid sur ce nouveau montant. Je vous demande de bien vouloir décider de créer un nouveau fonds restaurateur Roya, réaffecter 10 000 euros non utilisés de la dotation Covid d'aide aux entreprises de la plateforme Initiative Menton Rivera sur ce nouveau fonds, solliciter la restitution du solde des fonds confiés à Initiative Menton Rivera, déduction faite des 10 000 euros ci-dessus mentionnés, soit un montant à restituer de 81 162 euros. Et enfin, autoriser le président à signer la convention si souhaite, ainsi que les documents en ce sens. Y a-t-il des questions ? Oui, madame. Merci, monsieur le président. Bonsoir à tous. Je ne prendrai pas part au vote en ce qui concerne Initiative Menton Rivera pour toutes les délibérations. On comprend pourquoi. Donc, je répète, on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci, Jean-Jacques. Rapport suivant, Jean-Pierre Vassallo. La délibération a pour objet un avenant à la convention de mise à disposition des locaux Initiative Menton Rivera. Par convention en date du 23 février 2011, le Conseil communautaire a autorisé M. le Président à signer une convention entre l'association Initiative Menton Rivera et la communauté de la Riviera française pour la mise à disposition des locaux situés au 38 rue Henri Créville. Cependant, la situation a évolué cette année avec la création de nouvelles structures dénommées Initiative Services Riviera, créée le 27 décembre 2021 pour l'activité de boutique éphémère. Afin de permettre l'exercice de cette activité supplémentaire de l'association Initiative Menton Riviera, il vous est proposé d'accepter un avenant à la convention de mise à disposition initiale et en conséquence, d'autoriser M. le Président à signer l'avenant numéro 1 à la Convention portant l'exercice de l'activité de boutique éphémère par Initiative Service Riviera. Après avis du Bureau communautaire en date du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir approuver l'avenant numéro 1 à la Convention de mise à disposition des locaux avec l'association Initiative Menton Riviera. Autoriser, Monsieur le Président, à signer le dit avenant à la Convention au nom de la CARF. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci, Jean-Jacques. Martine Ferrero pour le rapport suivant. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de délibérer sur le retrait partiel de la délibération 209-2018 en date du 12 novembre 2018 relative au pôle d'activité Fontan de Leuze à Sospel, commercialisation par location-vente pour la SCI CGVS. Il nous est donc demandé de bien vouloir... Dois-je lire, Monsieur le Président, toute la délibération ou je pense que tout le monde l'a lu ? Que voulez-vous que je fasse, Monsieur ? On la lit ? Cette location-vente était consentie moyennant un loyer de 807 750 euros pour toute la durée du bail et divisée en deux fractions, à savoir à concurrence de 242 325 euros pour la partie location pendant toute la durée du bail et non imputable sur le prix de vente éventuel, et à concurrence de 656 425 euros pour la partie du loyer susceptible d'être imputée sur le prix d'acquisition du terrain en cas d'acquisition au terme du bail et constituant une avance sur le prix de vente. Les conditions liées à cette location-vente devaient être réitérées et détaillées dans l'acte de location-vente. Mais trois années après cette délibération et malgré toutes les autorisations accordées par la CARF pour les seules démarches administratives relatives à ce projet, ainsi que l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours, la location-vente n'était toujours pas réalisée. Ainsi, en l'absence de suite donnée par la SCI CGVS, et cela en dépit des courriers de mise en demeure adressés par les services de la CARF, à M. Cyril Garac et à M. Stéphane Valentin en leur qualité de gérants associés,
les 21 juillet 2021 et 18 novembre 2021, il résulte que la délibération doit être retirée quant à ces dispositions relatives à la SCI-CGVS. Il nous est donc demandé de bien vouloir délibérer en ce qui concerne les seules dispositions relatives à la SCI-CGVS et déclarer ces derniers nuls et sans effet. Y a-t-il des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie à l'unanimité, Monsieur le Président. Martine, la suivante, c'est la même, hein, plus rapide même. Alors, toujours pour le pôle d'activité Fontan de l'Euse, il nous est donc demandé, la communauté d'agglomération de la Riviera française a délibéré le 17 décembre 2010 pour créer le parc d'activité Fontan de l'Euse à Sospel d'environ 11 000 m² de surface utile, hors voie et espace vert. Cette délibération prévoyait une commercialisation uniquement sous forme de bail emphytéotique de droit privé avec une durée de 50 ans et un tarif de 10 euros par mètre carré d'emprise foncière et par an. Les parcelles vont de 300 m² à 3000 m². Par une autre délibération en date du 14 avril 2016, la CARF a ajouté la location-vente aux modalités de commercialisation de ce parc d'activité à raison d'un loyer fixé fixé à 10 euros du mètre carré par an à raison de 3 euros par mètre carré par an pour la part relative à l'occupation et 7 euros par mètre carré et par an pour la part d'avance sur l'achat. Une nouvelle entreprise a manifesté sa volonté de s'installer sur cette zone d'activité. La société dénommée Vamos Padel Sospel, société par action simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siège est à Sospel, quartier Rocas, représenté par M. Enrique Oladel, président de la société, et M. Julien Guibaud, directeur général pour les parcelles. Les parcelles citées ci-dessous. Cette location-vente était consentie moyennant un loyer de 321 250 euros pour toute la durée du bail et divisée en deux fractions, à savoir à concurrence de 96 375 euros pour la partie location pendant toute la durée du bail et non imputable sur le prix de vente éventuel, à concurrence de 224 875 euros pour la partie du loyer susceptible d'être imputée sur le prix d'acquisition du terrain en cas d'acquisition au terme du bail et constituant une avance sur le prix de vente. Il nous est donc demandé d'autoriser Monsieur le Président à signer les actes de location-vente dans les conditions supradéfinies et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Pas de questions ? Qui vote contre ? Abstention ? À l'unanimité, Monsieur le Président, merci. Merci Martine. Jean-Jacques Raphaël. Convention de partenariat avec l'association Union des entrepreneurs de la Riviera française. L'association Union des entrepreneurs de la Riviera française est une nouvelle association qui a pour objet d'assurer la défense et la promotion des employeurs et des entreprises dont le siège ou un établissement est situé dans l'agglomération de la Riviera française, de tout secteur d'activité professionnelle de toute dimension et de mettre en œuvre les moyens nécessaires dans le respect de l'intérêt commun à l'entreprise, de fédérer la représentation locale du MEDEF et de la CGPME, d'animer cette union avec des actions communes, d'étudier, promouvoir et animer sur le plan local, régional et national tout ce qui engage la fonction patronale, aussi bien dans l'exercice de ses droits que dans celui de ses devoirs, et de traiter toute thématique économique, sociale, sociétale, environnementale dans le respect de l'intérêt général. Un nouvel acteur local, il est opportun pour la CARF de travailler avec ce dernier afin de définir les axes de partenariat ainsi que leur mise en œuvre dans leur pilotage entre la CARF et l'association et ainsi créer une dynamique de travail collaborative et décisionnelle entre les deux parties. Il est nécessaire d'établir une convention. C'est l'objet de la présente délibération. Vu l'avis du bureau du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir approuver la convention ci-jointe en annexe et d'autoriser le président à signer la convention ci-jointe ainsi que les documents en ce sens. Y a-t-il des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? À l'unanimité, Monsieur le Président. Merci. La prochaine délibération, c'est Sébastien Laurent. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit des demandes de fonds de concours pour la commune de Sainte-Agnès.
Nous avons trois propositions d'annulation d'aide au titre des fonds de concours qui avaient été attribués. L'une pour la réhabilitation des sanitaires des cantonniers pour la somme de 833 euros. Un autre pour l'acquisition d'armoires pour défibrillateurs pour une somme de 488 euros. Et une troisième pour l'aménagement de l'aire de jeu de la commune pour 2331 euros. Donc tout ça, ce sont des demandes de fonds de concours que M. le maire de Saint-Agnès souhaite annuler. Et ensuite, je vous propose d'adopter un certain nombre de nouvelles attributions de fonds de concours pour l'acquisition d'équipements mairie et services techniques pour un montant de 1561,97 euros, pour l'acquisition d'un vidéoprojecteur et éclairage du fort pour un montant de 631,97 euros, la réhabilitation du local des services techniques pour un montant de 3252 euros, et les travaux de double vitrage de la mairie pour un montant de 2067,80 euros. Et enfin, l'acquisition encore d'équipements mairie pour un montant de 2300 euros. Cela représente un montant total de fonds de concours de 9 814,41 euros à verser à la commune de Saint-Agnès. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Merci Sébastien. La suivante également. Il s'agit maintenant des demandes de fonds de concours pour la commune de Breil-sur-Roya. Trois demandes de fonds de concours, une pour l'achat d'un perforateur burineur pour le service technique pour un montant de 1032,09 €, un matériel qui aussitôt acheté a été volé dans le cadre d'un cambriolage dont la presse s'est fait écho. Ensuite, la restauration de deux pianos et d'un orgue détruits par la tempête Alex pour un montant de 1635 €. Et enfin, une étude de programmation détaillée de la revitalisation de la commune dans le cadre du programme Petite Ville de Demain pour un montant de 9 855 €. Au total, des demandes qui atteignent le montant de 12 522 € et 9 € pour la commune de Breil-sur-Roya. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Merci. Affaire numéro 10, Jean-Louis de Dieu. Merci, Monsieur le Président. La communauté de la Riviera française a été saisie d'une demande de garantie d'emprunt pour l'acquisition en VFA de 12 logements locatifs sociaux, résidence cosmique sur la commune de Recommune Cap Martin, réalisée par Gambetta PACA. Cette garantie d'emprunt porte sur le contrat de prêt numéro 130889, souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour un montant de 1 056 882 euros. Comme le prévoit le règlement d'intervention de la CARF, 10% des programmes lui seront réservés au titre de la garantie d'emprunt attribuée dans le cas présent, un logement et une place de stationnement. Après les avis de la Commission des finances du 2 mai 2022 et du Bureau communautaire du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir accorder la garantie d'emprunt à hauteur de 50% pour le remboursement du prêt d'un montant total de 1 056 882 euros souscrit par Gambetta PACA au prix de la CDC selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat. Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre ? Abstention. Donc, unanimité. Merci. La suivante, Jean-Louis. Alors, la suivante, c'est le même cours de délibération, mais ça porte sur une garantie d'emprunt toujours bien sûr à hauteur de 50% pour Habitat 06, pour l'acquisition en VFA de 70 logements locatifs, sociaux, résidences et les voiles du Cap, sur la commune de Roquebrune de Cap-Martin. Et comme levé le règlement d'intervention, il y aura bien sûr 10% de ces logements qui sont attribués à la CARF, c'est-à-dire 7 logements plus 7 places de stationnement. Donc, des questions ? Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Oui, intervenir sur ces deux dossiers pour dire ceci. Il est clair qu'effectivement, cette garantie d'emprunt ouvre à la CARF l'attribution de logements. Mais je voudrais préciser quand même en séance que, malgré tout, on a une règle que je veux rappeler concernant ces attributions de logements. Il est évident que c'est la commune
sur lequel, dans laquelle se réalisent ces logements, que seront attribués et dont l'instruction se fera au centre d'action sociale de la commune concernée. On a travaillé comme ça dans le passé. Je voudrais que cela se poursuive. Merci. Merci. La prochaine le vote a été fait, je crois. Non, ça n'a pas été fait. Donc, après l'intervention de M. Césari, y a-t-il d'autres interventions ? Non, donc on va passer au vote. Qui est contre ? Abstention ? Donc unanimité. Je vous remercie. Oui. Daniel Alberti. Merci, Président. Donc il s'agit de l'adhésion de la CAF à différents organismes au regard de l'intérêt que représente leur activité. Donc un travail a été fait par le service financier pour, clarifier toutes ces positions. Et donc la présente délibération propose à la fois une liste des montants des cotisations à payer, mais vous aurez en annexe, je ne vais pas vous la lire, ne vous inquiétez pas, une liste des organismes et leurs caractéristiques. Voilà. Selon le même principe, les différents organismes et associations bénéficiant de subventions de la part de la CAF feront l'objet d'une délibération complète. Donc voilà, il vous est demandé donc de bien vouloir voter les montants des cotisations. Cependant, un souci de transparence, il est précisé deux points. Au regard des modalités d'indexation et de l'impossibilité pour certains organismes de confirmer le montant exact de la cotisation pour 2022, certains montants présentent un caractère prévisionnel. De ce fait, dans le cadre du paiement des cotisations, il est admis que seront réglés les montants mentionnés sur les appels de cotisations et qu'ils pourront par conséquent être différents de ceux mentionnés dans cette délibération. Voilà. Commission des finances, c'est un avis favorable de mai et le bureau un avis tout aussi favorable le 6 mai. Donc voilà les cotisations. Donc il y a 7 organismes, ADCF, ADM 06, FEDESCOT, MOT, Commission du film, SNAS et Atmosud. Voilà. Y a-t-il des questions ? Madame Casario ? Oui. Tout à fait. La prévision actuellement est de 6 000 euros pour la CARF, pour la commission du film. Donc, on passe au vote. Qui est contre ? Personne apparemment. Qui s'abstient ? Et donc, l'unanimité, Président. Merci. Bah, toujours Daniel. Il s'agit des cotisations versées par la CAF aux organismes extérieurs par les transports, donc sur les transports. Depuis 2019, la CAF a fait le choix d'adhérer au GART, Groupement des autorités responsables des transports, eu égard à l'intérêt que représentait son activité pour cette dernière et ses communes membres. Voilà. Donc dans la continuité, je vous demande de bien vouloir accepter de continuer à adhérer à cet organisme. La cotisation annuelle est de 3 684,15 €. Y a-t-il des questions ? Pas de questions pour le GART. On passe donc au vote. Qui est contre ? Personne. Qui s'abstient ? Non plus. Unanimité, Président. Merci. Merci. Patrick Césari. Merci. La DIL nous sollicite pour l'attribution d'une subvention à hauteur de 15 000 euros. Je veux simplement rappeler qu'elle est agréée par le ministère de la Cohésion des territoires en charge du logement et par l'Agence nationale d'information sur le logement. Je dirais que c'est un partenaire important pour la CAF, mais y compris pour les communes qui peuvent faire appel à ces services. Donc c'est informer, conseiller, orienter les ménages, rapport locatif, accession, évolution législative,
évaluer les politiques nationales et locales de logement, veille juridique afin de suivre de plus près l'évolution réglementaire en matière d'habitat, former des professionnels et voire même des élus. Voilà pourquoi je crois que la Commission des finances et le bureau communautaire ont voté favorablement pour cette subvention. Il suffit maintenant que l'Assemblée vote également pour que l'on puisse attribuer ces 15 000 euros à la DIL. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Monsieur le Président, c'est l'unanimité. Merci. Christian Tudès. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, mes chers collègues. L'Association pour la promotion du citron de Menton, plus connue sous son acronyme APCM, demande l'attribution d'une subvention pour 2022. Je vous rappelle que l'APCM a été créée en 2004 par la volonté des élus qui voulaient défendre l'agriculture identitaire du bassin mentonnais et que ces démarches ont permis l'obtention en 2015 du label Indication géographique protégée, l'IGP du citron de Menton. Cette reconnaissance est la garantie d'une traçabilité du fruit, de sa production à sa vente ou à sa transformation. L'APCM a été reconnue ODG, organisme de défense et de gestion, par l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, et assure désormais le développement de la filière IGP citron de Menton. Le territoire s'étend, je vous le rappelle, sur les communes de Menton, de Roquebrune-Cap-Martin, de Gorbiou, de Castellar et de Sainte-Agnès. Dans le cadre de ses compétences agriculture et développement économique, la CARF entretient un partenariat étroit avec l'APCM. Au titre de ses missions, cette dernière sollicite une subvention de fonctionnement de 40 000 euros. Au regard de son montant supérieur à 23 000 euros, cette subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. Nous avons un avis favorable de la Commission des finances et du Bureau et je vous demande donc de procéder au vote attribuant cette subvention de 40 000 euros à l'APCM, en précisant que les élus qui sont concernés, s'ils sont membres de l'APCM, éviteront de prendre part au vote. Avez-vous des questions? Passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Merci, Christian. Guy Bonvalet. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit de l'attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Montjoie, service d'aide aux victimes. Alors, l'association Montjoie est une structure qui a une activité discrète mais importante et bien connue des forces de l'ordre, qui adresse régulièrement donc, les victimes pour une écoute et un soutien. Elle intervient dans le cadre de la Maison de la Justice et du Droit de façon bimensuelle. Elle sollicite la CARF pour une subvention de 5 000 euros au titre de l'année 2022. Et donc, je vous demande de bien vouloir, après avis de la Commission des finances du 2 mai 2022 et du Bureau communautaire du 6 mai 2022, attribuer une subvention de fonctionnement à l'association Montjoie Service d'aide aux victimes pour un montant de 5 000 euros. Autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document actant cette décision et à procéder à son versement. Dire enfin que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui vote contre? À l'unanimité, je vous remercie. Merci. Guy, toujours toi. Donc j'enchaîne avec l'affaire numéro 17. Il s'agit de l'attribution d'une subvention de fonctionnement à la mission locale S06. Donc la mission locale est une association qui est subventionnée par différents partenaires, dont l'État, le conseil régional, le conseil départemental. Elle exerce une mission importante au service des jeunes du territoire, notamment pour leur insertion sociale et professionnelle. Au titre de ces missions, elle sollicite une subvention de fonctionnement de 2 euros par habitant, ce qui correspond à un montant total de 147 870 euros. Au vu de son montant, cette subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs. Après l'avis de la Commission des finances du 2 mai 2022 et du Bureau communautaire du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir décider de l'attribution de cette subvention pour un montant de 147 870 euros à verser à la mission locale S06. Avant de procéder au vote, il est demandé aux élus communautaires intéressés par la présente délibération de se retirer et de ne pas prendre vote pour ne pas entacher d'illégalité la présente délibération. Donc, je ne prendrai pas part au vote en tant que président de la mission locale S06. Y a-t-il des questions? Oui, une question. Non, mais je m'adresse directement à Guy Bonvalet, qui est un excellent président. Simplement, nous savons que la région, le département participe effectivement, et l'État,
au soutien de la mission locale. Est-ce qu'on a la juste répartition des enveloppes qui Alors, sont, ce que je peux préciser, c'est que bon, ça fait maintenant une dizaine d'années, plus de 10 ans depuis 2008 que je fais partie du bureau de la mission locale. Quand j'ai commencé en 2008, la répartition des participations, c'était à peu près un quart entre l'État, la région, le département et la CARF. Aujourd'hui, avec la subvention qui vous est proposée, on est aux alentours de 15% de participation pour la CARF, c'est-à-dire qu'on est 10 points en dessous de ce qui était le cas il y a 12 ans. Merci. Je voudrais juste rappeler, je le fais, parce que tout le monde le sait, on l'a encore vu, on avait les rendez-vous de l'emploi hier à Menton, comme dans toutes vos communes. Je voudrais quand même souligner l'énorme travail que fait la mission locale sur notre territoire. C'est vraiment des centaines d'emplois qui sont pourvus, de jeunes qui sont aidés. Je me permettais de leur rendre hommage ce soir, avec votre permission. Merci. Alors, délibération suivante. On va peut-être procéder au vote. Le vote. Excusez-moi, il y a des questions. Je ne participerai pas au vote non plus, puisque je suis présidente déléguée de la mission locale. Merci. Alors, le vote, pardon. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Donc, merci. Avec nos deux participations au moins. Merci. Jean-Jacques Raphaël. Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Initiative Menton Riviera, convention triennale 2022-2024. Chaque année, la communauté d'agglomération de la Riviera française reçoit des demandes de subvention de la part d'associations situées sur son territoire, dont les actions correspondent pour partie au domaine de compétences qui lui sont dévolues, équipement culturel, habitat, promotion de tourisme, développement économique, aménagement territoire, etc., et participe au dynamisme de la vie associative locale. L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, conformément à l'article L2311-7 du Code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, le décret du 6 juin susvisé oblige l'autorité administrative qui attribue une subvention de plus de 23 000 euros à conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant ainsi l'objet et le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. C'est dans ce cadre que Initiative Menton Riviera sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année 2022. Initiative Menton Riviera, association créée en 2001 sous l'impulsion de la région PACA, du Conseil général 06 et de la CARF, s'inscrit dans le cadre d'Initiative France, réseau associatif de financement et de l'accompagnement de la création d'entreprises. C'est une plateforme qui insère son action dans une démarche de développement local. Elle a pour objet de déceler et favoriser les entreprises créatrices d'emplois sur les territoires des 15 communes membres de la CARF grâce à un prêt d'honneur sans intérêt ni garantie, à un parrainage par un chef d'entreprise qui accompagne le créateur et suivi d'une gestion de l'entreprise. Elle est ancrée dans son territoire d'intervention et repose ainsi sur les partenariats noués avec les acteurs publics et privés partageant ses valeurs et projets. Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CARF entretient un étroit partenariat avec Initiative Menton Riviera. Au titre de ses missions, cette dernière sollicite une subvention de fonctionnement de 115 000 euros. Au regard de ce montant, cette subvention fera l'objet d'une convention d'objectifs. Cette convention est établie pour une période de 3 ans avec un engagement financier de 115 000 euros par an, soit 345 000 euros pour la période de la convention. Après avis du bureau communautaire du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir décider de l'attribution de cette subvention pour un montant de 115 000 euros à verser à l'association Initiative Menton Riviera, d'approuver la convention 6 juin et d'autoriser le président à la signer. Alors, avant de procéder au vote, bien sûr, j'ai compris, il est demandé aux élus communautaires intéressés par la présente délibération de se retirer et de ne pas prendre part au vote sous peine d'entacher d'illégalité sur la présente délibération. Alors, ceux qui sont concernés. Voilà. Monsieur le Président, je ne prendrai pas part au vote. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors, avant de passer à la délibération suivante, je voudrais vous donner une information qui est en lien avec la délibération que vient de présenter Jean-Jacques Raphaël, qui d'ailleurs a été également en direct dans cette réunion. Donc, nous avons aujourd'hui validé l'embauche de la responsable du développement économique de la CARF,
On a trouvé une très bonne candidate qui a été validée après deux entrevues et était présent d'ailleurs en vidéo cet après-midi, Jean-Jacques Raphaël et M. Jean-Pierre Vassallot. Donc voilà, donc c'est un poste qui était important pour notre développement économique. C'est une personne, une jeune femme extrêmement compétente qui est franco-italienne. Et donc, elle prendra ses fonctions à partir du 1er septembre. Donc, je vais vous en faire l'information. Et également d'autres embauches qui ont été faites concernant les autres postes. On en parlera plus tard, mais comme c'était d'actualité et que c'est tout frais, je voulais vous en faire profiter. Merci. La délibération suivante, c'est Madame Brigitte Bresque. Merci, Monsieur le Président. Alors, dans le même cadre de demande de subvention, d'attribution de subvention, l'association Félix Félix sollicite une subvention de fonctionnement pour l'année 2022. En 2011, elle adhère à la Fédération de protection animale PACA afin de renforcer et soutenir les combats contre les cruautés animales. Bref, les missions des bénévoles de l'association sont les suivantes. Soigner, nourrir et faire stériliser quand cela s'avère nécessaire les chats errants. Ces missions représentent un coût financier important. Recherche des familles d'accueil qui s'occupent provisoirement des animaux en attente d'adoption et rechercher des foyers d'adoption définitifs. Elle déploie son action sur l'ensemble des 15 communes de la CARF et est entièrement gérée par des bénévoles. Afin de pouvoir poursuivre ses missions, l'association sollicite une subvention de 5 000 euros. Après avis de la Commission des finances et du Bureau communautaire, je vous demande de bien vouloir décider de l'attribution de cette subvention pour un montant de 5 000 euros à verser à l'association Félix Félix. Y a-t-il des questions ? Pardon, Christian Tudès. Oui, j'ai assisté à la dernière Assemblée générale de Félix Félix, dont je suis membre. Il avait été décidé avec M. le Président, compte tenu de la mission d'intérêt général que remplit cette association, de porter la subvention 2022 à 10 000 euros. Ça avait été acté et annoncé au cours de l'Assemblée générale. Donc je pense qu'il y a eu une petite perte en ligne et il faudrait revoir cette question. J'abonde dans ce que je viens d'entendre. J'abonde également, mais on avait l'information, il y a eu un... Là, au bureau communautaire, on avait dit qu'il y avait 5 000 euros. Donc je me souviens. Maintenant, après, peut-être entre-temps, il s'est passé quelque chose. Ce qu'il faut voter ce soir. Alors, ce que je vous propose, il faut qu'on soit très légaliste et qu'on respecte les règles. Est-ce que l'on peut soumettre cette délibération en proposant le nouveau montant de 10 000 euros ? Ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, donc c'est la même subvention, mais le montant de l'association Félix Félix serait de 10 000 euros au lieu de 5 000. Ça mérite peut-être une explication supplémentaire. C'est une association, comme l'a dit Brigitte Bresque, qui est animée par des bénévoles, qui remplit en fait, de fait la compétence qui appartient à la CARF, la protection animale, qui évite la prolifération massive des chats errants, le tout en faisant preuve de beaucoup d'empathie pour les animaux, et qui dépense beaucoup d'argent pour cette mission, de l'ordre de 90 000 euros à l'année. Ils sont alimentés uniquement par les subventions des collectivités. D'ailleurs, je remercie les collectivités qui, jusqu'à présent, ne subventionnaient pas l'association et qui le font, et par des dons. Mais les dons sont de plus en plus difficiles à obtenir. Ils payent les stérilisations des animaux chez les vétérinaires qui leur font des prix, mais c'est un coût important. Et si nous devions, en tant que responsables de la compétence animale à la CARF, mettre en place un service de la logistique, des bâtiments, du personnel, le coût serait de l'ordre de 300 à 400 000 euros par an. Donc je pense qu'il est tout à fait légitime et normal que nous aidions de manière plus significative cette association que je considère pratiquement d'utilité publique. Je vous remercie. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement dans nos villages, on a des personnes qui s'en occupent et qui ont des coûts très importants pour la stérilisation, pour la nourriture pendant qu'ils les capturent et qui demandent aussi de l'aide. Donc je comprends bien que ça coûte très cher. Alors, par contre, avant que Brigitte Bresse fasse voter, pour qu'on respecte parfaitement les règles, ce vote doit avoir lieu à l'unanimité. Je tiens à le préciser avant. Maintenant, on va passer au vote, alors. Pardon ? On va passer au vote. On va passer au vote, mais le vote pour que la délibération soit acceptée doit être unanime. Absolument. C'est ça. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ?
Donc, à l'unanimité, pour voilà. 10 000 Merci euros. Merci pour Félix, bien. Félix et tous les, et tous les animaux. Bien. La prochaine délibération, c'est Guy Bonvalet. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de l'attribution d'une subvention de fonctionnement au profit du Conseil départemental d'accès au droit, CDAD06. C'est un groupement d'intérêt public qui est placé sous la présidence de Madame la Présidente du tribunal de grande instance de Nice, co-présidé par Monsieur le Procureur de la République, et qui organise notamment sur notre territoire des permanences de consultation juridique d'avocats, de notaires et d'huissiers sur rendez-vous avec un accès gratuit pour les personnes qui consultent. Et ça s'organise donc dans le cadre de la Maison de la Justice et du Droit afin de pouvoir continuer à œuvrer dans ce sens. Le CDAD 06 sollicite de la CARF une subvention de fonctionnement au titre de l'année 2022 égale à celle de l'année dernière à hauteur de 14 000 euros. Je ne pense pas qu'il y ait des élus communautaires qui soient concernés. Il ne s'agit pas d'une association, en fait, hein, c'est un organisme parapublic. Donc, je propose donc qu'on procède au vote. Qui s'abstient ? Vote contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Merci, Olivier Chantreau. Oui, merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une attribution d'une subvention dans le cadre d'un partenariat pour le 6e Festival du film fantastique pour l'exercice 2022. La CARF peut décider d'accorder son soutien de type partenariat sponsoring à des actions ou opérations présentant un intérêt direct dans le cadre des compétences définies dans ses statuts. C'est dans ce cadre que le Fantasy Film Festival sollicite une subvention de 5 000 euros pour l'organisation du 6e Festival du film fantastique sur la commune de Menton. La 6e édition se tiendra du 27 au 30 octobre 2022 au Palais de l'Europe de Menton. Et dans ce cadre, dans le cadre d'un sponsoring partenariat, une convention sera automatiquement conclue afin de préciser l'ensemble des engagements du bénéficiaire de la subvention. À minima, le bénéficiaire devra mettre en évidence par tous les moyens dont il dispose et sur tout support communication le concours de la CARF et notamment l'insertion du logo de la CARF sur les supports de communication print ou numérique, mention du sponsoring partenariat dans tous les documents presse et liés à l'événement. Parallèlement, le bénéficiaire devra inviter les élus communautaires à participer au temps officiel de chacun des manifestations subventionnées, lancement, inauguration, clôture, remise des prix. Après un avis de la Commission des finances du 2 mai 2022 et du Bureau communautaire du 6 mai 2022, un avis qui a été favorable, je vous demande de bien vouloir décider l'attribution de cette subvention pour un montant de 5 000 euros au Fantasy Film Festival. Et avant de procéder au vote, il est demandé aux élus communautaires intéressés par la présente délibération de se retirer et de ne pas prendre part au vote sous peine d'entacher l'illégalité de la présente délibération. Donc, est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions. Nous allons donc procéder au vote. Je vous demande donc de bien vouloir attribuer cette subvention de 5 000 euros au Festival Fantastique de Menton 6e édition. Qui s'abstient ? Qui est contre ? À l'unanimité, je vous remercie. Merci. Paul Couffet. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, tout le monde. Il s'agit de l'attribution d'une subvention dans le cadre d'un partenariat pour une exposition de monographie au château Lascaris de Gorbio. Donc, la CARF peut décider d'accorder son soutien de type partenariat à des actions ou opérations présentant un intérêt direct dans le cadre des compétences définies dans ses statuts. C'est dans ce cadre que le photographe Jean-Pierre Rey sollicite une subvention de 2 000 euros pour l'organisation d'une exposition de monographie au château Lascaris de Gorbio. Dans la lignée du projet Alex dans la Roya, dont la CARF est partenaire depuis ses prémices, le photographe consacrera un espace de plus de 500 mètres carrés au château Lascaris de Gorbio à l'exposition de ses plus récentes photos illustrant notre région, son identité, ses traditions et son patrimoine. Une production éditoriale accompagnera l'exposition. A minima, le bénéficiaire devra mettre en évidence par tous les moyens dont il dispose sur tous les supports de communication le concours de la CARF et notamment insertion du logo de la CARF sur tous les supports de communication print ou numérique,
mention du partenariat dans tous les documents presse et liés à l'événement. Parallèlement, le bénéficiaire devra inviter les élus communautaires à participer au temps officiel de chacun des manifestations subventionnées, le lancement, l'inauguration, la clôture, des remises des prix, je ne sais pas s'il y en aura, mais peut-être pourquoi pas. Donc, après l'avis de la commission des finances du 2 mai et du bureau communautaire du 6 mai, je vous demande de bien vouloir décider l'attribution de cette subvention pour un montant de 2000 euros à verser à Jean-Pierre Rey pour l'organisation de son exposition de monographie au château Lascaris de Gorbio. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc à l'unanimité, et l'exposition débutera le 9 juillet jusqu'au 30 novembre. Voilà. Merci pour lui. On vous invite à y venir nombreux. Paul, à toi, toujours. Je continue. Je continue toujours dans une attribution de subvention dans le cadre d'un partenariat avec l'Ultra Trail Mont Blanc, 50 km. Donc la CARF accorde son soutien de type partenariat, bien sûr, à des actions ou opérations prenant un intérêt direct dans le cadre de ses compétences définies dans ses statuts. Et c'est dans ce cadre que l'Ultra Trail du Mont Blanc sollicite une subvention de 25 000 euros pour l'organisation du 50 km Menton-Nice. L'Ultra Trail du Mont Blanc est un événement sportif composé de plusieurs trails, course à pied, entre parenthèses, pour ceux qui ne connaissent pas le trail, dont un se déroulant sur la métropole Nice-Côte d'Azur. L'événement se déroulera à la fin de la saison estivale du 22 au 25 septembre. L'événement proposera quatre distances de 20 km à 100 miles. Parmi ces dernières, une course Menton-Nice, 50 km, est prévue le 24 septembre. Dans le cadre du partenariat, une convention sera automatiquement conclue afin de préciser l'ensemble des engagements du bénéficiaire de la subvention. Voilà, donc après l'avis de la commission des finances du 2 mai et du bureau communautaire du 6 mai, je vous demande de bien vouloir décider l'attribution de cette subvention pour un montant de 25 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Une? Jean-Claude Alarcon. Ou est-ce qu'on a une idée de la visibilité de la CARF sur cette course? Parce qu'il y a quelques courses des fois où on participe et la visibilité est vraiment très réduite comparée à la région ou à d'autres choses. Je voudrais savoir si l'importance de la visibilité de la CARF pour cette course. Alors oui, parce qu'en plus c'est relayé par très nombreux de médias de télévision, cette course. Celle où tu fais écho, c'est une course qui traversait le territoire de la CARF, mais qui était avec une notoriété moins importante. Hein. Et on a néanmoins voulu la subventionner avec un montant inférieur, puisqu'elle traversait, c'était une première aussi, traversait tout le territoire de la CARF. Cette manifestation, elle est d'une notoriété, je dirais, quasiment internationale, et il y aura des nombreux supports médiatiques, télévisuels, et tout sera fait, on veillera pour que la CARF soit présente au maximum, ce qui justifie cet impact. Martine Ferrero. Merci, Monsieur le Président. Une petite question, s'il vous plaît. Est-ce que la métropole va donner la même somme ou en donne-t-elle une par rapport à l'arrivée sur Nice? Est-ce que la métropole met la même somme? Je n'ai pas le plan de finir. Même si mes relations sont bonnes avec la métropole, je n'ai pas le renseignement. Et ce n'est pas une plaisanterie, je ne sais pas. Là, très franchement... La métropole, je pense, met beaucoup plus, certainement, mais je n'ai pas la réponse, hein, je suis très honnête, j'ai pas la réponse. J'entends bien, mais il serait peut-être intéressant de savoir si la métropole a l'intention d'y participer financièrement. Je pense que la métropole participe, bien évidemment, mais je n'ai pas la réponse. On pourra l'avoir et la transmettre, mais ce soir, je ne l'ai pas. Christian Tudès. C'est pas une question, c'est un clin d'œil. Paul Couffet s'est entraîné à la Ronde des Plages. J'espère qu'il va nous faire le plaisir et l'honneur de représenter dignement la CARF aux 50 km. Alors, ça, c'est moins sûr. 10 km, je veux bien, mais 50 km, ça paraît un peu difficile, surtout pour du trail. Voilà. Merci, Christian. Monsieur le Président, j'ai une question. Oui, côté plus pratique, hein.
pour les communes qui vont être concernées et traversées par cette compétition, que nous le sachions suffisamment en amont pour nous organiser sur le plan des arrêtés à prendre, sur le plan de la circulation et éviter tout problème lié à ce genre de manifestation sportive, parce que bon, on a des axes qui sont des axes structurants, mais dont on a besoin de connaître à l'avance lorsqu'on est obligé d'interrompre la circulation. Donc que l'on soit averti, mon cher Paul, suffisamment avant pour qu'on puisse lever nos barrières. Merci. Bien entendu, mon cher Patrick. Nous recevrons toutes ces informations en temps et en heure. Christian Tudès. Oui, non, plus sérieusement, je pense que Jean-Claude Alarcon faisait allusion à ce qu'on a constaté à l'arrivée de la Transriviera VTT à Menton. On avait nos flammes qui sont derrière Jean-Pierre Vassallo, qui font 1,50 m de haut, et à côté, on avait celle du CD06 qui devait faire 6 m de haut. Donc je pense qu'il faudrait envisager à la CARF de se doter de quelques matériels un peu plus significatifs, de manière à rivaliser avec les autres partenaires de ce genre de manifestations qui vont avoir vocation à se multiplier, je pense, dans les années qui viennent. Je pense que c'est un problème de subvention. La subvention du département était le double, donc ce n'était pas totalement incohérent que la flamme fasse le double. On a bien pris note de toutes les recommandations, les souhaits. Ça veut dire aussi que la CARF, maintenant, et puis on aura d'autres occasions, doit investir dans ses propres supports de communication. Parce que, je veux dire, il y a un moment, on voit qu'on se développe et qu'on ouvre la porte. C'est normal quand il se passe des événements sur notre territoire. Aussi au niveau du matériel et des supports de communication, qu'un gros effort soit fait, puisque bon, c'est bien d'avoir des renvois, c'est normal, mais il faut nous-mêmes qu'on s'équipe de nos propres supports, et ça, c'est quelque chose que nous aurons l'occasion de vous présenter prochainement. On passe au vote. Oui, alors qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc, à l'unanimité, merci beaucoup. On s'entraîne pour être présent le 22 septembre. Brigitte Bresque. Alors, dans le même ordre d'idée, en fait, puisque c'est pour rendre plus visible la promotion du territoire, il y a une demande de subvention, pour attribution au Parc national du Mercantour. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais là, il s'agit d'un événement. Donc, cet événement, il doit mettre en valeur le site et accueillera de nombreux ateliers de découverte autour de ses patrimoines, sur l'Authion. Donc c'est un événement qui aura lieu, je ne sais pas exactement d'ailleurs, mais la date a dû être fixée déjà, mais je ne l'ai pas. Et le parc sollicite une subvention de 2 500 €. Donc dans le même cadre, en lui demandant de mettre en évidence tous les moyens dont il dispose pour le support de communication. Voilà, parallèlement, le bénéficiaire devra inviter les élus communautaires, donc on est dans la même délibération. Donc je vous demande de bien vouloir décider l'attribution de cette subvention au Parc national du Mercantour. Et si quelqu'un a une idée de la date, je pense que M. Bonvalet, 26 juin, hein, c'est ça, on a reçu l'invitation déjà. Voilà. Donc, y a-t-il des questions ? Avant même de voter, oui, c'est vrai, c'est pour ça que j'avais oublié l'invitation. C'est trop rapide, oui. Donc on vote, qui s'abstient ? Qui est contre ? Donc à l'unanimité. Ah, pardon. Question ? Non, une question ? Je vote contre. Ah, tu votes contre ? Je vote contre, oui. Tu votes contre ? D'accord, oui. Un vote contre. Un vote contre, et alors, voilà. Ensuite, merci Brigitte. Olivier Chantreau. Oui, la délibération suivante, donc l'attribution d'une subvention dans le cadre d'un partenariat défi sportif en l'honneur du caporal Samuel Hubou-Perron, donc pompier décédé en service. Donc la CARF peut décider d'accorder son soutien hein, de partenariat sponsoring sur des actions dans le cadre de ses compétences définies. C'est dans ce cadre-là que l'Amicale des sapeurs-pompiers de Menton sollicite une subvention de 2 000 € pour l'organisation d'un défi sportif en l'honneur du caporal Samuel Hubou-Perron, décédé en service, et si mes mémoires sont bons, c'était à Garavin, il me semble.
en raison de son dévouement, son professionnalisme et son empathie, un dernier hommage lui sera rendu à travers un défi sportif à son image qui se déroulera du 11 au 17 juin. Ce défi a pour objectif de rejoindre le village de Landissac en vélo dans le département de l'Orne où il a été inhumé et d'où il est originaire. Ainsi, les participants se rendront en véhicule dans les Pyrénées-Atlantiques à Bayonne, puis rallieront Flers en Normandie en 5 jours, lieu qui fut sa première affectation en qualité de sapeur-pompier professionnel. Pour finir, ils rejoindront d'anciens amis, chefs de section, collègues de Samuel au Mont-Saint-Michel le jeudi 16 juin, afin de terminer les derniers 150 km main dans la main. Donc, dans le même cas de figure que tout à l'heure, une convention sera automatiquement conclue afin de préciser à l'ensemble les engagements du bénéficiaire de la subvention avec, comme tout à l'heure, l'insertion du logo, les mentions sur tous les documents, presse et liés à l'événement. Donc, si vous avez des questions, s'il n'y en a pas, je passe au vote. Nous pouvons, Président. Donc, je vous demande de bien vouloir accorder cette subvention de 2000 euros à l'Amicale des sapeurs-pompiers de Menton et d'autoriser, Monsieur le Président, ou son représentant à signer tout document actant cette décision dont la convention de partenariat est à procéder à son versement. Merci pour les sapeurs-pompiers. Sébastien Hollaran. Alors la délibération 26 est une régularisation. Nous avions voté lors du Conseil communautaire du 7 avril 2022 les produits attendus de la taxe GEMAPI pour l'année 2022. Nous avons été retoqués par le contrôle de la légalité car la population DGF qui a été prise en compte était celle de 2020 et non pas celle de 2021. Donc la population qui doit être prise en compte n'est pas de 101 188 mais de 103 015 habitants. Et donc le montant total attendu de la taxe GEMAPI n'est pas de 4 047 520, mais de 4 120 600 euros. Donc je vous demande de bien vouloir prendre cette délibération pour acter ce nouveau montant attendu de la taxe GEMAPI de 4 120 600 euros. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Merci. Philippe Oudot. Merci, Monsieur le Président. Donc, la délibération, l'objet, c'est le schéma d'aménagement des confortements des berges dans la vallée de la Roya suite à la tempête Alex. Donc, suite à cette tempête qui a frappé la vallée de la Roya le 2 et 3 octobre 2020, de nombreux biens ont été sinistrés ou se retrouvent désormais exposés de manière importante aux aléas d'inondation et ou de recul des berges. Aussi, dans le cadre de sa compétence GEMAPI, et en collaboration avec le SMIAJ, les communes, les services de l'État et les services experts de la DDTM, de l'OFB, de RTM, la CARF a élaboré des schémas d'aménagement de protection de berges à l'échelle des communes sinistrées de la vallée que vous avez en annexe. Comme vous avez pu vous en rendre compte, les travaux s'élèvent à des montants qui sont importants et qui ne sont que, pour le moment, une estimation. Donc ces schémas validés par les services de l'État regroupent l'ensemble des travaux de protection définitive des berges à réaliser pour donner suite aux dégâts occasionnés par la tempête. Vu l'avis du bureau communautaire du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir valider les schémas d'aménagement de confortement des berges présentés et autoriser, Monsieur le Président, à accomplir toutes les démarches et signer tous les documents nécessaire à la mise en œuvre des projets inscrits dans les schémas d'aménagement présentés. Donc je conclurai peut-être, puisqu'on a donné quand même aujourd'hui, la CARF a été généreuse en subvention. Espérons que l'État et les collectivités soient aussi généreux avec nous, vu les montants des travaux qu'il y a réalisés sur les berges de nos villages. Espérons que tout le monde sera présent au moment de donner les subventions. Donc, y a-t-il des questions ? Ce n'est pas une question, je vais juste aller dans ton sens. On en a parlé en tête à tête avant le début du Conseil. Donc, j'ai rencontré hier midi, pendant plus de 2 heures, le préfet Xavier Pelletier, et sur plusieurs dossiers concernant, bien sûr, la Roya. Et
On est resté un temps non négligeable, au moins 25 minutes, presque 25 minutes, sur le problème de Fontan. Je ne rentre pas dans le détail, mais il est clair que c'est vraiment un travail de dentelle et que c'est le mixage de plusieurs solutions pour trouver de l'argent qui est fait. Et c'est dans ce sens-là qu'il va obtenir les crédits. Je crois qu'il est prévu que vous rencontriez assez rapidement derrière. Donc, ça va dans le bon sens, c'est ça que je voulais dire. Oui, comme tu le dis, ça va dans le bon sens, mais bon, il faut que ça continue. Tu prenais l'exemple de Fontan, qui est un exemple bien particulier. Donc, c'est vrai que je suis en relation permanente quasiment avec le préfet Pelletier. Et aux dernières nouvelles, nous devrions monter ensemble sur Paris pour traiter justement la partie des bâtiments privés qui concerne le village de Fontan. Donc, on a rendez-vous avec la Fédération française des assurances le 13 juin à Paris. Voilà. Donc, ça avance. Mais bon, c'est des montants qui sont importants. Et l'État joue son rôle au niveau des bâtiments. Espérons qu'il le joue aussi sur les protections des berges, puisque je sais que j'en ai discuté après que tu aies eu la réunion avec lui. Il m'a dit d'ailleurs, et je crois qu'il vous l'a dit, Monsieur le Président, il faut monter un dossier Cyprime à tout prix pour réussir à avoir des subventions supplémentaires au niveau des protections des berges. Exact. Et je précise qu'on n'a pas parlé que de Fontan. On a parlé de Tende et de la Brie. De toute façon, vous le voyez dans les annexes, tous les villages ont été impactés et les montants des travaux sont importants dans tous les villages. Y a-t-il des questions? Donc, je vais passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci, Monsieur le Président. Merci, Gérard Spinelli. Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit de l'actualisation de l'règlement intérieur des sociétés communautaires. Suite aux nombreux problèmes de recouvrement liés au paiement par chèque, il apparaît désormais nécessaire de ne plus accepter les chèques bancaires comme moyen de paiement en déchetterie et au quai de transit. Je vous demande de bien vouloir modifier le règlement intérieur pour tenir compte de cette demande. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, Monsieur le Président. Continue. Je continue. Actualisation du règlement communautaire de collecte des déchets ménagers et assimilés. Aujourd'hui, suite aux évolutions réglementaires et notamment ce qui concerne l'obligation de tri à la source des biodéchets, à la collecte par la CARF de matériel enterré privé et à la nécessité de préciser les horaires de collecte des différents flux de déchets, il est nécessaire de bien vouloir actualiser le règlement communautaire de collecte des déchets ménagers et assimilés. Type des questions. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Il y a une question, Patrick. Je n'ai pas de questions, j'ai une proposition. Je voudrais qu'on rappelle, sur le plan de la communication, l'existence de ces déchetteries, là où elles se situent, et puis la particularité de nos déchetteries, parce qu'il y a une particularité dans nos déchetteries de la CARF, celle de cette gratuité qui est offerte aux particuliers jusqu'à 3 tonnes de dépôts par an. Je pense qu'il serait bon de temps en temps de le rappeler à ceux qui l'ignorent ou qui font semblant de ne pas savoir. Donc il serait bon parce qu'il suffit de voir ce que les communes d'abord collectent d'encombrants sauvagement déposés ainsi que la CARF. Je sais que ça a un certain budget annuel, donc rappeler régulièrement, deux fois par an, l'existence de ces déchetteries et leurs particularités de fonctionnement, je trouve que ça serait plutôt bien. Alors, je ne peux qu'abonder dans ton sens, et moi, je vais même aller plus loin. J'aimerais que, ça ne peut pas être une motion, parce que ça se prépare, mais que, officiellement, que tous les maires de la CARF, aujourd'hui, disent qu'on sera sans pitié et intraitable avec tous ceux qui déposeront des déchets sauvages sur notre territoire, et qu'on mettra le maximum des amendes que la loi nous autorise à mettre. Je vous rappelle quand même que dans certains cas, il y a des maires, je ne dis pas ça pour nous, mais il y a des maires qui ont payé de leur vie ces interventions. Donc ce n'est pas le cas, mais ce que je veux dire simplement, il faut que ce soir, et là je me retourne vers la presse, vous pouvez faire passer le message que sur le territoire de la CARF, les 15 maires seront intraitables avec les pollueurs et les dépôts sauvages de déchets. Merci. Bien, on prend acte de cette volonté de lutter contre les dépôts sauvages. On prend acte aussi du fait que les déchetteries dans notre la CARF fonctionne bien et apporte un service important à la population. Et c'est que la gratuité est très appréciée par la population. Je vous demande de bien vouloir passer au vote. Qui est contre?
Qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité, Monsieur le Président. Merci, Gérard. Jean-Mario. Oui. Monsieur le Président, chers collègues, bon, cette délibération concerne la politique de prévention des déchets. C'est une aide financière pour l'achat d'un lombricomposteur. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire impose l'obligation de tri à la source des biodéchets pour tous les usagers à compter du 31 décembre 2023. Parmi les actions de prévention des déchets, la CARF propose des composteurs individuels à tarif aidé. Un espace extérieur est nécessaire pour ce type de matériel. Afin de répondre aux demandes d'usagers souhaitant composter leurs biodéchets mais ne disposant pas d'un espace extérieur, il est proposé qu'une aide financière à l'achat d'un lombricomposteur selon certaines conditions qui sont indiquées dans la présente délibération. Donc, après l'avis favorable de la commission élimination et valorisation des déchets réunie le 4 avril 2022 et l'avis du bureau communautaire du 6 mai 2022, il nous est demandé de bien vouloir approuver les conditions d'octroi d'une aide financière à l'achat d'un lombricomposteur. Voilà, Monsieur le Président. Est-ce qu'il y a des questions ? Patrick ? Pas de questions. Qui est contre ? Ah, pardon. On intervient. Merci de me faire passer pour un incompétent. On va laisser à Daniel Alberti, qui connaît parfaitement le lombric, nous expliquer ce que c'est que le lombric composteur. On est vraiment en circuit court, parce que c'est des vers donc, qui vont composter la matière organique, et après on pourra aller à la pêche avec les vers, donc on est en circuit court, manger les poissons et remettre dans le composteur, et c'est parti pour une boucle. Voilà. Merci Daniel. Bien, pas d'autres questions ? Qui est contre ? Abstention ? Je vous remercie. Jean-Mario. La délibération suivante concerne toujours la politique de prévention des déchets. C'est une aide financière pour l'achat de couches lavables pour enfants. Donc la CARF mène différentes actions en matière de prévention des déchets afin de promouvoir l'utilisation d'articles courants, durables et limiter les articles à usage unique. Il est proposé une aide financière à l'achat de couches lavables pour enfants, selon certains critères qui sont indiqués dans la présente délibération. Donc, après l'avis favorable de la commission élimination et valorisation des déchets, réunie le 4 avril 2022, et l'avis du bureau communautaire du 6 mai 2022, il nous est demandé de bien vouloir approuver les conditions d'octroi d'une aide financière à l'achat des couches lavables pour enfants. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Alors, en fait, je ne sais pas, l'achat de couches lavables, donc ça s'adresse à des familles. Vous avez évalué, c'est quoi l'aide ? Combien de familles ça va concerner ? Je ne sais pas quoi ça correspond. Enfin, c'est bizarre, quoi. Aide financière à l'achat de couches lavables. J'ai du mal à me projeter sur cette délibération. Je voulais dire qu'on doit être quand même bigrement novateur à la carte, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de comités de communes qui subventionnent 12 couches culottes lavables pour les enfants. Ceci dit, on a l'air de sourire, mais c'est quand même bigrement important sur le point de vue écologique, hein, quand on réfléchit bien. Mais ça, c'est pareil, hein, Madame Lapresse, il faut faire savoir ces choses-là. Hein. On a sponsorisé des vélos électriques à hauteur de 150 €. On fait des tas d'efforts. Et honnêtement, je ne suis pas ironique en disant ça. Je pense qu'au niveau des couches culottes, 50 €... il n'y a pas beaucoup de collectivités qui font ça, donc bravo. Pas d'autres questions ? Qui est contre ? Alors, il y a deux personnes deux contre les couches culottes, pardon. Des abstentions ? Je valoriserai plus l'hygiène que l'écologie, excusez-moi. Alors, deux abstentions. On recommence. Qui est contre ? Contre. Deux. Abstention. Deux abstentions. Deux abstentions. Pardon. Deux. Ah, trois. Deux, trois. Trois abstentions. Bon. Voilà. OK. Dernier rapport, c'est Olivier Chantre.
Pro, normalement, si je ne me suis pas trompé. Voilà, il s'agit de l'avenant numéro 5 à la DSP Transport 2019-2025. Au vu de la situation en Ukraine, la gratuité des transports Zest est offerte aux réfugiés ukrainiens par le délégataire Keolis d'avril à juin 2022 dans un premier temps. Des modifications de l'offre avec incidence financière sont nécessaires. Je vais vous les lister. Il y a un passage à Castellar ajouté à 17 heures sur la ligne 6 avec une contribution forfaitaire augmentée de 720 euros par an. Un doublage à vocation scolaire est ajouté à 17 heures à la ligne 7 entre la gare routière et l'arrêt Azur Park, contribution forfaitaire augmentée de 50 euros par jour scolaire. Un service supplémentaire pris en charge par la région sud est ajouté entre la gare de Breil-sur-Roya et le collège de Saint-Dalmas-de-Tende les lundis matins à 8h40. Un article est ajouté au contrat par lequel le délégataire engage à reverser à la CARF toute subvention reçue relative aux services objets du contrat, exemple des lignes traversant la Principauté de Monaco avec une convention, voire la convention en annexe 2. Pardon. La CARF remboursera au délégataire le montant des travaux d'agrandissement de la salle de réunion formation de l'agence commerciale de la gare routière pour un montant d'environ 11 700 euros TTC. La CARF remboursera au délégataire le montant de l'achat et de l'installation de toilettes mobiles au terminus des lignes 12 et 13 à l'arrêt Malbousquet à Beausoleil pour un montant d'environ 50 000 euros TTC. Vu les perturbations encore occasionné par la tempête Alex. Le système qualité est suspendu pour l'année 2022. Le suivi qualité reste assuré par le prestataire de la CARF. Le règlement du service Mobizest est modifié conformément à la loi LOM. L'expérimentation du nouveau système billettique Paragon a été positive. Tout le système billettique sera donc remplacé d'ici cet été à coût nul pour la CARF. Une précision est apportée. Le véhicule électrique de la navette, qui n'était au départ qu'une expérimentation, est un exemplaire unique, n'est pas compris dans les tableaux d'âge maximum des véhicules, ni dans l'âge moyen du parc. Les deux véhicules affectés à la ligne 25 de 44 et 33 places sont remplacés par deux autocars de 39 places assises plus 6 debout, qui permettront d'emprunter tous les deux le pont Belley de Tende et permettant ainsi de restaurer des liaisons directes entre Tende et Menton sans changement de véhicule à Breil-sur-Roya. L'annexe correspondante de la DDS de la DSP est modifiée. Le surcoût annuel est de 2 700 euros. Vu les avis favorables de la commission DSP du 9 mai 2022, de la commission transport du 1er avril 2022 et du bureau communautaire du 6 mai 2022, je vous demande de bien vouloir approuver les termes de cet avenant numéro 5 et d'autoriser, Monsieur le Président, à signer l'avenant numéro 5 à la DSP pour la gestion et l'exploitation du réseau de transport public des voyageurs de la communauté de la Riviera française avec la société Car Postal Riviera et dire que le montant de la dépense est inscrit au budget annexe des transports. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a pas de questions, on peut passer... Sébastien Larrand, pardon. Alors, pas une question directement liée à cette délibération, mais liée à un sujet de transport. Il était évoqué la possibilité pour la CARF de mettre en place un service de navette pour permettre de rejoindre le hameau de Castellino pour cet été. Oui. Les propositions qui ont été faites par la CARF in fine laissaient penser qu'il y aurait un système de navette uniquement depuis Tende, la Brigue, Saint-Dalmas jusqu'à Castellino, mais pas entre le glissement de terrain qui est survenu et Castellino. Or, c'est là que ça me semblait particulièrement important, plus que jusqu'au lac des Mèches, où les gens peuvent, somme toute, monter en voiture. Et là, le département va investir, je crois, de l'ordre de 200 000 euros pour faire une passerelle pour justement que les gens puissent traverser à pied, et ils vont se retrouver sans transport au milieu de nulle part. Donc, je voulais savoir si c'était possible de revoir ça pour faire en sorte qu'on ait et c'est même à la limite plus important que l'autre, cette jonction entre les Mèches, quoi, pour faire simple, et Castellino. Je vous remercie. Oui.
L'idée actuellement, c'est de mettre un véhicule de 9 places en partie amont, mais sans chauffeur, parce qu'on a pensé d'abord mettre le chauffeur, il montait avec la ligne 23, et puis il montait à pied avec les gens, il arrivait là-haut, mais au deuxième voyage, il fallait faire le bouche-à-bouche, donc ça ne tenait plus. Donc on a abandonné. Donc il va y avoir une navette qui sera mise à disposition sans chauffeur sur la partie haute, et les commerçants apparemment sont d'accord, enfin les hôteliers, tout ça, sont d'accord pour les conduire à tour de rôle, puis c'est des navettes qui se conduisent sans permis spéciaux. Ouais. Oui, non, mais ils sont jamais. Oui, mais je sais. Ce que je vous propose, alors d'abord, je pense qu'il faut qu'on ait un temps de travail avec le département, comme tu viens de l'évoquer. Voilà, ça, je pense que ça va permettre de se coordonner intelligemment. Hein. Je pense que c'est la meilleure solution. Et puis ensuite, une fois qu'on aura trouvé les adaptations les meilleures, on les fera passer et on verra avec notre délégataire pour que ça puisse se mettre en place. Alors d'après les informations, mais Jean-Pierre me contredira ou pas, Castirino serait réellement accessible, entre guillemets, fin octobre, début novembre, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que là-haut, c'est toujours un peu l'effervescence. Donc, j'ai eu le président du département ce matin au téléphone. Ils ont demandé une réunion avec le préfet Pelletier, le président du département, le président de la CARF, pour essayer de trouver une solution définitive au-delà de ce glissement de terrain qu'il y a. Parfait. Bon, pardon, Sébastien. Il faut aller vite. Oui, c'est ça. La passerelle, a priori, elle serait livrée autour du 15 juin. C'est ce qui nous a été annoncé ces derniers jours par le conseil départemental. Et c'est vrai que autant cet hiver, ponctuellement, s'il y avait des personnes qui traversaient le glissement de terrain à pied, les hôteliers pouvaient aller eux-mêmes les chercher. Autant si on est sur une fréquentation importante, et c'est le but, et qu'il y a un système de navette qui doit se faire de façon régulière, ça ne me semble pas gérable que ce soit les hôteliers de là-haut qui le fassent eux-mêmes, quoi. Quitte à embaucher, à payer quelqu'un de là-haut qui n'est pas hôtelier pour le faire, je ne sais pas, mais à mon avis, il faudrait vraiment qu'il puisse y avoir une navette qui soit régulière, quoi. Et dans le cas d'une mission de service public, pas fait par un privé, parce que ça me semble compliqué. On est tout à fait d'accord. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un temps de travail pour bien regarder ça. Et le ponctuel, c'est une chose. Ensuite, dès que ça va devenir un peu plus régulier, on peut pas avoir les mêmes solutions, c'est clair. Oui. Oui, excusez-moi, mais j'étais en commission de transport la dernière fois, donc avec M. Chantreau. Et il paraissait assez clair que tout avait été déjà programmé, donc avec une arrivée, une passerelle qui était en commande ou qui était en fabrication, et une autre navette qui prenait donc les clients de l'autre côté de la passerelle. Comment se fait-il que maintenant on se retrouve aujourd'hui sans avoir les mêmes résultats que ce qui avait été décidé, s'il vous plaît? Concerne la construction de la passerelle et la mise en place des navettes, c'était réglé. La CARF arrivait jusqu'au Mèche. Après, c'était de savoir qui aurait conduit la navette après le glissement de terrain. Moi, c'est ce que j'avais proposé. J'avais proposé au restaurateur, à tour de rôle, de faire tourner cette navette. Je pense tout simplement que ce qui a été discuté en réunion et en commission transport, s'il y a des choses qui ont été dites, et je parle sous contrôle de M. Michelet, certainement que après cette commission transport où effectivement un car arrivait au lac des Mèches, le chauffeur qui prenait la passerelle avec les passagers et reprenait un autre car ultérieurement pour monter jusqu'à Castirino, ça c'était ce qui a été dit effectivement, et même en dehors de la commission transport dans une réunion avec les acteurs de Castirino. Sauf que nous, il faut qu'on reste dans nos compétences et on ne peut pas accorder tout. Il faut qu'on reste sur une compétence de service public et de transport public. Alors, est-ce qu'il y a eu, après cette commission transport, des réactions qui font que aujourd'hui ou des faits, tout simplement, qui font que ce qui a été dit, proposé et pas forcément décidé, fait qu'aujourd'hui, on est sur ce débat? Moi, j'en ai pas aujourd'hui connaissance. Mais pour vous répondre, enfin Olivier vient de le faire en grande partie. Ceci, c'est valable pour toutes les commissions. Hein.
La commission est là pour étudier des dossiers, pour travailler, pour faire des propositions, bien évidemment, et se prononcer. Et ensuite, il y a l'exécution qui n'est pas forcément valable, puisque dans certains cas, ça peut se heurter à des problèmes budgétaires, dans certains cas, ça peut se heurter à des problèmes de compétences, bon, par rapport, ou même par rapport à notre délégataire. Donc, Olivier vous confirme bien, et vous-même, ce qui a été dit. Bon, après, il y a dû y avoir un certain nombre de problèmes qui sont intervenus, qui font aujourd'hui, et en plus, je dirais, ça change, pas tous les jours, il ne faut pas exagérer, mais régulièrement, et ça évolue. Et c'est pour ça que, comme le soulignait tout à l'heure Sébastien Olaroff, il faut qu'on ait un temps de travail avec le département qui a toutes les compétences sur tout ce qui est la voirie, et qu'on puisse, au niveau de notre transport, avec le délégataire, les restaurateurs, les maires concernés, qu'on essaye de trouver les meilleures solutions. Donc, c'est pas parce qu'on a envisagé un certain nombre de solutions et qu'elles n'ont pas été décidées aujourd'hui que forcément elles ne le seront pas. Hein. Voilà. Bien sûr, c'est pour essayer qu'ils puissent un petit peu travailler cet été. La commission est une force de proposition. D'ailleurs, c'est justement fait pour ça. Et bien souvent, les propositions deviennent réalité. Voilà, on attend un peu plus. Merci. Avant qu'on se... Oui, parce que là... Bien souvent, les restaurateurs de Castérino prennent contact directement avec la CARF. Et nous, bien souvent, on n'a pas les mêmes informations qu'ils vous donnent. Moi, j'ai appris qu'ils avaient dit à la CARF qu'il n'y avait que 150 mètres à faire à pied entre la passerelle. Et en réalité, il y a plus de 800 mètres à faire pour contourner l'obstacle. Et la CARF, vous aviez eu comme information qu'il y avait 150 mètres à faire. Ouais. Donc, vous voyez que tout ça, il faut... Et les 800 mètres ne sont pas faisables par tout le monde, en plus. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait des réunions de cadrage ensemble. Donc, soyez assurés, par contre, que c'est un sujet d'actualité brûlant sur lequel tout le monde travaille en permanence pour trouver les bonnes solutions, que ce soit... La CARF, le département. Et en revanche, je dois aussi remercier la CARF. On a été contacté par. C'est une classe de roc brune qui doit se rendre à Neige et Merveille. Ils m'ont contacté avant-hier. Je vous ai transmis de suite parce qu'en plus, ils avaient prévu de monter avec un bus de 32 places. Le bus de 32 places n'arrive pas à accéder aux mèches. Ils ne peuvent accéder aux mèches que des petites navettes parce qu'il y a un raidion très difficile à faire. Et vous avez été réactif puisque ce matin, Neige et Merveille m'ont téléphoné en me disant. Que la CARF avait fait nécessaire pour transférer 40 enfants là, avec des bus à 9 places. Hein. On peut procéder au vote peut-être sur l'avenir. Oui. Bon, s'il n'y a plus de questions, nous allons procéder au vote. Qui s'abstient pour cette délibération ? Qui est contre ? À l'unanimité, donc merci. Alors avant qu'on se quitte et vous remercier de votre patience, le prochain conseil communautaire aura lieu le 7 juillet. Bon, je vous donne déjà la date. Donc, si vous en êtes d'accord, à cette occasion, on vous présentera toutes les personnes qui ont été recrutées à la CARF depuis presque à peine un mois, hein, un mois et demi. On vous a parlé tout à l'heure de... La responsable du développement économique. Il faut savoir également qu'ont été recrutés deux chargés de mission pour les petites villes de demain, des gens également de grandes compétences, un ingénieur tourisme montagne, un adjoint au DGST, enfin, je dis un ou une, je crois que c'est un, mais à vérifier, au DGST, et une juriste. Donc vous voyez quand même que toutes les structures dont on avait parlé se renforcent et ce serait l'occasion, je pense que ce serait bien à la fois pour eux et pour nous, qu'on puisse à l'occasion de ce prochain conseil communautaire vous les présenter. Ça c'est le premier point. Deuxième point, il y a un problème d'horaire. Il y a un certain nombre de conseils communautaires qui ont fait passer le message que les conseils qui commencent à 17h leur posent un problème parce que il y a des gens qui travaillent et que c'est dur de se libérer à 17h. Moi, je suis très ouvert. Hein. Alors, est-ce qu'il faut le maintenir à 17h, le mettre à 18h? À 18h30, alors ce qu'il n'y aura pas décidé ça ce soir tout de suite, mais ce que je vous demande, si vous avez quand même un avis, faire transmettre au secrétariat de la CARF un peu votre avis. Honnêtement, je pense que si on veut vraiment qu'il y ait plus de conseillers présents, 17h est un peu tôt pour moi. Très honnêtement, c'est mon sentiment. Maintenant, voilà. Donc je transmets le message. Et en fonction des remarques qui seront faites, on verra si on modifie légèrement l'horaire. Écoutez, merci à tous. Ah, pardon, il y a une question.
Simplement une question, Monsieur le Président, si vous le permettez, chers collègues. Lors de la dernière assemblée que nous avons tenue le 7 avril, en fin de séance, justement, comme je le fais ce soir, notre collègue Mathieu Messina nous a interpellé sur le fait de la signature d'une motion concernant l'absorption éventuelle du département par la métropole Nice-Côte d'Azur. Cette question-là, nous l'avions posée et nous avions entendu dire qu'on ne voulait pas le faire immédiatement le 7 avril parce qu'il s'agissait de ne pas interférer dans la campagne électorale présidentielle. Campagne qui a eu lieu, campagne qui s'est déroulée. Donc le candidat qui avait évidemment émis cette volonté d'absorption a été élu. Donc cette question est d'autant plus aujourd'hui d'actualité. Et je voudrais connaître, Monsieur le Président, notre position de la CARF, savoir pourquoi aujourd'hui nous n'avons toujours pas voté, comme beaucoup de communes, comme vous-même, dans le cadre de la ville de Menton, cette motion de soutien au département contre cette absorption. Et est-ce que vous comptez bien le mettre à l'ordre du jour lors de notre prochaine assemblée? Et pourquoi on ne l'aurait pas pu le faire aujourd'hui? Merci de votre réponse. Alors, je vous répondrai aujourd'hui. Il y a les élections législatives, ça doit vous faire sourire si je vous dis ça à vous. Il y a les élections législatives. Non, plus raisonnablement, on s'en est expliqué à plusieurs, et même en tête à tête, en bureau. Bon, quelles que soient les approches qui ont été faites, je n'ai pas vu un maire ou un conseil municipal qui ne se soit pas prononcé pour le maintien, du partenariat avec le département. Simplement, il y a eu quelques nuances dans la présentation. Voilà, c'est pourquoi maintenant, si au prochain bureau des maires, on souhaite représenter maintenant une motion, on va la retravailler. Mais moi, personnellement, je pense que c'est plus important de voir ce qui rassemble que ce qui divise. Et ce qui rassemble, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas, je pense, un conseiller communautaire ici qui est contre la suppression du département. Je ne le pense pas. Je pense que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, Monsieur le Président. Ça vaudrait peut-être simplement l'avantage de l'exprimer clairement qu'on y ait vote de motion. J'étais clair dans mon propos. On ne va pas faire la motion, on ne va pas l'écrire ce soir maintenant. C'est clair, j'étais clair dans mon propos. J'explique pourquoi. On ne va pas reprendre tout l'historique, parce qu'on a même discuté, on s'est échangé des mails, on en a parlé en bureau. Il y a eu plusieurs motions, on ne va pas refaire tout l'historique. Il y a eu plusieurs motions, même quand j'étais en face de Charles Anginisi, il y a eu trois types de motions qui ont été présentées. Deux qui ont été envoyées, une qui était, comment dire, un peu plus souple, une qui l'était un peu moins, une qui l'était pas, enfin un peu, encore un peu moins. Bref, il y a des motions différentes qui ont été votées, que ce soit dans différentes villes. Je crois qu'il y a trois motions qui ont été votées différemment. Certaines motions qui avaient déjà été votées par des maires avant même qu'on ait le conseil communautaire. Voilà les explications. Moi, aujourd'hui, si on doit présenter une motion, ça ne me pose aucun problème. Simplement, ce que je voulais, moi, à titre personnel, en tant que maire de Menton, c'est de vous dire que j'ai aucun état d'âme pour affirmer que personne ne veut qu'il y ait une suppression du département. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Voilà ma position. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce débat? Écoutez, je lève la séance et je vous remercie. Bon, ouais. Ça a été une bonne semaine. Hein. Oui.